tous, merci de nous recevoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue au 102 pour Ça se discute. Pour la très grande majorité des Français, la nourriture est un pur plaisir. Pour nos invités de ce soir, c'est un pur calvaire. Nous avons en effet choisi cette semaine de nous pencher sur les troubles alimentaires les plus connus, comme l'anorexie, la boulimie, mais aussi d'autres moins connus, comme le méricisme. Nous verrons que certains ruminent leurs aliments. Ça peut durer des heures parfois, pour ne pas dire toute la journée. Alors d'où viennent ces troubles? Sont-ils liés à l'évolution de notre société? Certainement. Et pourquoi certains s'en sortent? Pourquoi d'autres n'en voient pas le bout? Pourquoi 7 à 10% de ces malades vont-ils jusqu'à la mort? C'est ce que nous verrons avec nos invités. Depuis 30 ans maintenant, les pathologies liées aux aliments, les pathologies alimentaires, sont 2 à 3 fois plus fréquentes dans ce qu'on appelle nos sociétés de pays riches. On estime que ces troubles concernent en France plus d'1 million de personnes, essentiellement, mais pas seulement, des jeunes, essentiellement des jeunes et des jeunes filles. Par exemple, pour l'anorexie, 9 femmes sur 10 cas. Alors, quel est le rôle et la responsabilité des parents? Nous verrons ça aussi avec eux. Comment peuvent-ils détecter ces maladies qui sont souvent cachées? Et comment peuvent-ils aider leurs enfants? On en parlera avec tous nos invités, avec notamment Johanna. Bonsoir, mademoiselle. Bienvenue parmi nous. Vous avez souffert d'anorexie de 13 à 16 ans. Vous avez aujourd'hui 17 ans. Oui. Quel est le poids minimum que vous avez atteint, mademoiselle? 24 kilos. Pour quelle taille? Pour 1m62. 1m62, une grande fille en plus. Vous nous raconterez comment peu à peu vous avez récupéré non plus un poids d'enfant, mais un véritable poids de jeune fille. Vous pesez combien aujourd'hui? 50 kilos. 50 kilos. Mmh. À vos côtés, Catherine. Bonsoir, Catherine. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Vous êtes une ancienne boulimique, aujourd'hui sortie d'affaires. On n'est jamais sûr. Hein. On est jamais vous sûr. Restez vigilante en tout cas. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle une boulimique vomisseuse? Parce non. que les termes ne sont pas très ragoûtants, non, mais, non, non. mais très techniques. Je ne vomissais jamais. Vous ne vous faisiez pas vomir comme le font certaines. Non, non, non. Votre poids évoluait donc à l'inverse de celui de Johanna. Quel est le poids maximum que vous avez 140 atteint? 140 kilos. Ouais. Pour combien aujourd'hui? 65. Ça va, vous êtes à votre poids de forme? Vous faites encore attention? Toujours. Oh, je crois que c'est tout le temps. C'est pour la vie. C'est pour la vie, oui. Ouais. Héloïse est également avec nous. Bonsoir, mademoiselle. Nous verrons avec vous que ces maladies sont parfois mortelles. Vous êtes là pour nous parler de votre sœur Charlotte, oui. qui est décédée il y a maintenant 4 ans, à la suite de boulimie. Vous nous expliquerez aussi quelles conséquences ce décès a eu sur vous, mm-hmm. évidemment sur votre état psychologique, mais également sur vos rapports aux aliments, puisque vous êtes, vous, par la suite, devenu anorexique. Avec Olivier, qui est à vos côtés, bonsoir, on parlera bonsoir. Donc de ce fameux méricisme. On parlera aussi d'anorexie, de boulimie, hein, tous ces troubles sont toujours liés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le méricisme que j'ai découvert en préparant cette émission? Le méricisme, simplement, ça consiste à se faire ruminer, comme le ferait une vache. Ça ressortir les aliments de l'estomac? Voilà, mais de manière volontaire, ça en devient une drogue, quoi. C'est-à-dire que je le pratique depuis la moitié de ma vie, depuis à peu près 16 ans. Je le pratiquais parce que je ne le fais plus aujourd'hui, suite à une opération qui m'empêche de le faire. Qui empêche les aliments de remonter? Voilà. Avant d'ouvrir les discussions et de découvrir nos reportages, je vais vous demander d'accueillir notre invitée privilégiée de ce soir, celle qui conclura les débats. Elle est écrivain. Un de ses livres qui s'appelle « Une jeune fille bien comme il faut » et qui ressort d'ailleurs ces temps-ci en poche, racontait l'histoire de Sarah, une adolescente qui sombre dans l'anorexie. Je vous demande d'accueillir Isabelle Lacan, qui est notre invitée. Bonsoir Isabelle. Vous êtes... Je sais que le thème de ce soir vous touche particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez d'une émission comme celle-ci? Ce que vous attendez de nous et de nos invités? Déjà, le fait qu'un tel débat ait lieu, c'est une façon de casser l'isolement de la maladie. Et moi, je me souviens que même quand j'ai écrit Une jeune fille bien comme il faut, le fait de confronter mon propre cas, même si je n'ai pas raconté mon anorexie, mais une anorexie, mon propre cas avec d'autres cas, ce que je pouvais trouver dans des documentations ou en discutant avec d'autres anorexiques, ça m'a soulagée. Il y a une sorte de banalisation. On se dit, tiens, on n'est pas seul. Et je pense qu'on vit dans une société qui est malade de son image et qui met tout l'accent sur l'apparence. Je pense que anorexique et boulimique se battent, j'allais dire. On se bat, on se révolte contre cet état de fait. Et donc, je pense qu'une émission comme celle-ci permet à toutes les personnes qui ne sont même pas forcément concernées dans leur entourage proche, mais de se poser des questions sur notre société, comment on en arrive là. Merci Isabelle, vous intervenez quand vous le souhaitez, puis vous viendrez conclure tout à l'heure. Je souhaite maintenant nos invités à qui nous avons consacré un reportage pour mieux comprendre leur histoire. Je vais vous demander d'accueillir Christian Petit et Mado. Bonsoir à tous les deux, si vous pouvez les accueillir, Mado et Christian, qui a fait un... Voilà Christian, vous allez bien? Bonsoir, très bonjour à peu près. Bonsoir Mado.
Je suis très ému pour parler de vous, Christian, parce que je sais que ça a été difficile pour vous de venir jusqu'à nous. Vous êtes agoraphobe. Donc l'agoraphobie, c'est deux choses, pas toujours liées. C'est la peur de beaucoup de monde, c'est pas tellement votre cas. Vous avez peur plutôt de l'espace, vous avez peur des grands espaces, vous avez besoin d'un point d'appui. Ce que Jean-Marc a appelé dans le reportage un vertige, même à plat, même sur le plat. Oui, un vertige permanent. Donc là, ça va, vous vous sentez pas trop mal? Ça va, je vous remercie. Bon, je sais que vous avez fait en tout cas un gros effort pour venir, que c'est important pour vous. Oui. Merci d'être avec nous en tout cas. Donc cette agoraphobie, on va voir que ça peut venir de partout, a déclenché votre boulimie, vos crises de boulimie. Oui, c'est lié l'un à l'autre, oui. Ouais, ça fait des années déjà. Je ne sais plus très bien. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, un de mes amis qui faisait des syncopes, je ne sais pas si c'est lié à ça, c'est arrivé le matin, et je pensais que c'est parce qu'il était à jeun. Donc je me suis mis à commencer à manger, et ensuite un cercle vicieux. Et puis enfin, c'est à l'école que vous avez entendu ça, c'est oui, ça? Oui, à 12 ans. Vous êtes toujours accompagné de tartines que vous préparez à l'avance, avant de dormir, par exemple. Là aussi. Y compris ici, si vous en avez avec vous. Elles sont là, oui, parce qu'elles m'accompagnent. Elles sont ma sécurité autant que les médicaments. J'en ai besoin quasi continuellement. C'est-à-dire elles me sécurisent. Donc quasi continuellement, ça veut dire que dès que vous sortez de chez vous, ce qui n'arrive pas si souvent. Oui, enfin, le matin, non. Le matin, parce que c'est trop difficile. Et l'après-midi, ici, je sors quand même davantage. Mais là, suivant la distance que je fais, si je vais dans le village, non, ça ne m'accompagne pas. Mais si je m'éloigne un peu, si, bien sûr, les tartines m'accompagnent. Et sur la table de nuit pour ce grand voyage qu'est le sommeil, oui. Et ici pour ce grand voyage qui a été pour vous, celui-là oui. Pour venir jusqu'à nous. Regardez un extrait du reportage qu'on vous a consacré. Alors là, ce que j'ai comme repère, sont d'abord les pots de fleurs ici, et ensuite les voitures qui sont stationnées, qui vont m'aider à traverser la place. C'est un peu comme si vous aviez le vertige en terrain plat. C'est ça, oui. Oui. La comparaison est bonne, oui. C'est tout à fait ça. Non. Christian est agoraphobe. La seule chose qui puisse atténuer ses angoisses, ce sont les médicaments et surtout des repas copieux. Moi, je mange plus vite, hein, parce que Christian, maintenant, il en a pour 1h30 à table. En plus, il est très lent, c'est ce qui me stresse le plus. Parce que le matin, il faut compter... Moi, quand je suis arrivée, c'était 2h le petit déjeuner. 2h le repas du midi, 2h le repas du soir, j'en pouvais plus. La Christian, vous faites à manger oui. Pour toute la famille, alors, si je comprends bien. Je voudrais bien, oui. Non, il y a que pour moi, là. Les trois steaks, c'est pour moi. Trois steaks hachés pour moi, et encore. J'ai baissé parce qu'il m'est arrivé d'en manger 5. Ça va, vous sortez comment? Ça va, je vous remercie. Ça va, si jamais vous voulez faire un petit tour en coulisses, vous mettre dans un petit endroit pour vous rassurer, on a tout aménagé pour ça, vous le savez. À vos côtés, Elisabeth. Bonsoir, Elisabeth. Bonsoir. Vous pouvez également accueillir sur le plateau. Bienvenue parmi nous. Alors, vous, avec vous, on va bien comprendre que l'anorexie et la boulimie sont liées. Vous étiez anorexique, oui. Vous êtes devenue boulimique. Oui. Boulimique vomisseuse, c'est le terme médical adéquat. Et vous avez jusqu'à 5 crises de boulimie par jour. Des fois plus, hein. Des fois plus nombreuses ouais, que celle-ci. Ça arrive des fois, oui. Ça dure combien de temps, une crise? 1h30 à peu près. Ben, ça vous occupe du temps, vous aussi, ça vous prend ça du m'occupe temps. Du temps, oui. Je ne peux rien faire d'autre de la journée. Et quand mangez... je fais le bilan le soir de ma journée, je me dis qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai fait que bouffer, vomir. Hein. Bouffer, vomir. 5 fois dans la journée, parfois plus. Jusqu'à combien de quantité de nourriture vous absorbez à chaque fois? J'arrive à absorber jusqu'à 4 kilos de nourriture. Hein. Par jour? Non, à chaque crise. À chaque crise. Je ne fais pas à chaque crise, mais j'arrive, puisque je me pèse avant la crise et après la crise, et il y a 4 kilos de différence. Donc il y a 10 à 20 kilos de nourriture qui peuvent passer, qui peuvent transiter par votre corps chaque jour. Oui. Et ouais. On regarde un extrait de ce reportage qui vous a été consacré. Oui, un chocolat et un pain de chocolat aux amandes. Maintenant, je mange tout au cours de route. Hein. Une journée marathon commence pour Elisabeth, car lors d'une de ses crises de boulimie, sa quête de nourriture lui fait parcourir jusqu'à 8 km à pied. Là, le marché, c'est pourquoi? Pour acheter des flans et puis du pain. Pourquoi les flans au marché? Parce qu'ils sont pas chers et qu'ils sont bons. Bonjour, j'aurais voulu 4 flans, s'il vous plaît. 4 flans? Oui. Je viens d'acheter 4 flans et ils seront tous mangés avant que j'arrive à la maison, ça c'est sûr. Là je vais aller au supermarché faire des courses dont j'ai besoin, j'ai fait la liste. T'as trouvé combien là? Quatrième flan. Vous n'êtes pas un peu écœuré quand même? Complètement. Complètement écœuré.
Vous nous expliquerez comment on peut dépasser le stade de l'écœurement pour avoir que l'envie de continuer soit plus forte que tout. On parlera aussi d'hospitalisation. On va l'évoquer avec ces jeunes filles dans un instant. Vous avez été hospitalisée, vous aussi ? 56 fois. Depuis 20 ans que je suis malade. Pour des périodes de combien de temps ? De quelques jours à 5 mois. Et quand vous êtes en forme, ce qui arrive aussi, heureusement pour vous, vous recommencez à travailler, vous travaillez cette fois dans un hôpital aussi. Oui. Ouais. À vos côtés, Gwenaëlle et Émilie qui sont avec nous. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est Gwenaëlle et Émilie. Vous êtes toutes les deux anorexiques, vous avez des comportements anorexiques, dit comme ça peut être un peu une étiquette définitive, ce qui n'est pas le cas. Gwenaëlle depuis 6 ans maintenant, Émilie c'est plus récent, depuis une année. Vous êtes hospitalisée dans un service spécialisé de la prise en charge des personnes qui sont atteintes d'anorexie. Ça fait quelques semaines pour vous, Émilie, et plus de 2 mois pour vous maintenant, Gwenaëlle, c'est ça. Quel poids vous faisiez toutes les deux en arrivant ? 26 kilos. 26 kilos ? 44. 44, vous mesurez combien ? 1m68. Et 26 pour ? 1m55. Pour 1m55. Vous avez pris du poids depuis ? Oui. Donc heureusement. Combien ? Vous êtes à combien maintenant ? 4 kilos. Et vous espérez atteindre quel poids ? 42 kilos. Ça fait encore plus combien alors ? 12. Plus 12. Moi, 51. D'accord. Un mot sur l'appareillage que vous avez aujourd'hui. À quoi il sert ? Elle nous nourrit, c'est une sonde. Ça va dans notre estomac en fait. Par des bouteilles de 500 calories, on nous donne à manger. Nourrir en permanence. Ça permet de raccourcir la durée d'hospitalisation. Mais ce n'est pas du gavage. Non, ce n'est pas ce qu'on appelle du gavage. Ce qui n'est pas toujours une bonne nouvelle d'après nos enquêtes, puisque souvent, quand on sort, on élimine tout. Enfin, je veux dire, on n'a pas envie de se gaver chez soi. Donc là, ça vous redonne On reprend plaisir à manger, quoi. C'est pas trop gênant ? Non, ça va. On s'y habitue. On va commencer notre émission avec le reportage qui vous concerne directement, donc à l'hôpital Bichat, dans ce service spécialisé où vous êtes soigné. Je vous remercie d'avoir accueilli notre équipe, parce que vous êtes, c'est une lourde charge, ce que vous avez sur le dos. Et il a fallu la supporter, ça n'a pas été trop dur. Ça a été avec Sabrina, donc. Sabrina Obadia qui a fait ce reportage, accompagnée de Jean Poitevin. On retrouve donc Émilie, Gwenaëlle et leurs amis. J'ai poussé la porte de la salle de bain. C'est là que j'ai eu un flash incroyable parce que vraiment, elle était squelettique. En fin de compte, c'était carrément la mort que je voyais en face de moi, ni plus ni moins. Gwenaëlle, elle faisait ça. Elle mettait donc sa serviette de papier sous l'assiette et puis on discutait. Et au fur et à mesure, très adroitement, elle vous renversait tout sur la serviette. Elle roulait et puis elle vous la mettait sous la manche. Et puis, en discutant, donc, on voyait rien. C'est un petit peu là que notre vie de famille s'est... C'est là qu'a commencé le cauchemar. Gwenaëlle est anorexique. En 6 ans, son poids est passé de 56 à 26,5 kg. Il ne lui restait plus que quelques jours à vivre quand elle est entrée à l'hôpital Bichat. Depuis le 28 décembre, elle est alimentée par une sonde, un moyen pour elle de se rattacher à la vie. L'anorexie, pour moi, c'est vraiment la prison, c'est la descente aux enfers, c'est la mort. C'est un suicide, en fait, mais tout en étant vivant. C'est une mort lente, vraiment à petit feu, quoi. C'est très, très cruel. Avant d'entrer à l'hôpital, tu te regardais tout le temps dans la glace ? Oui. Souvent dans la salle de bain. Mais à la fin, j'étais tellement consciente de mon état, tellement que j'étais mal, que souvent, avant de me déshabiller pour prendre ma douche, je me mettais une serviette sur la glace de la salle de bain. Je voulais pas me voir. Non, ça me faisait trop mal. C'est l'heure du rendez-vous dans la chambre voisine avec ses copines Leslie et Émilie pour le premier repas de la journée. Le petit-déj, c'est hyper convivial, c'est génial, c'est vraiment du plaisir. Ouais, vraiment du plaisir. Après, je mange parce qu'il faut manger, mais ça me fait pas plaisir. Se faire du bien, c'est mal, quoi. Voilà. Tout ce qui est bon pour nous, c'est très mal.
Ouais. Moi, c'est la petite voix qui vient et qui me dit, tu sais, Gonelle, il y a trois mois, t'avais pas mangé ce midi-là. Tu te rends compte, là, tout ce que tu vas prendre. Ça, c'est le petit diable, ça. Ça va pas, là, c'est pas bien. L'ange et le diable, quoi. Et bah, l'ange, il nous dit de manger parce que c'est bon et tout ça. Ouais, c'est ça. Et le diable, mange pas et tout ça. Et cette voix-là, faut essayer d'écraser tous les jours et c'est terrible. Faut pas qu'on soit comme les autres. Faut pas qu'on soit comme les autres. Faut pas qu'on soit comme les autres. Sinon, enfin moi, j'ai pas l'impression d'exister. Sinon, par ma différence, je dis coucou, je suis là, j'existe. Alors que j'ai l'impression que si je suis comme les autres, je vais passer inaperçue. J'espère que j'ai trop peur. Toi, tu vas perdre parce que tu fais. Ouais, l'eau. Ouais, j'espère que je vais perdre. Ouais. C'est un moment angoissant, l'épouser. Ouais, c'est angoissant. Très angoissant. On a peur de ne pas avoir pris. C'est au 100 grammes près en plus. C'est vraiment, on a pris 100 grammes, c'est ouais, c'est la fête. Et, on a perdu, là c'est terrible. Ça y est, c'est la catastrophe. Moi, ma catastrophe, ce serait d'avoir pris de l'eau. 30,7. Ouf ! Ouais, plus 400. On a toujours un peu peur, on appréhende toujours un peu. Quoi ton dernier point ? 33,8. Alors ? 600 grammes. T'as pris 600 grammes ? J'ai pris de l'eau ? Bah ouais, parce que il y a plus d'un kilo. C'est horrible parce que ça me fait perdre mon temps. Plus je vais prendre de l'eau et plus je vais devoir en perdre et voilà quoi. Pourtant je bois pas beaucoup mais... C'était... T'as vu tout ce que j'ai pris? Il y a un moment où tu stagnes, il y a des moments où tu prends, il y a des moments où tu prends de l'eau, il y a des moments où tu la perds. C'est très... Ça change tout le temps, c'est pas... Moi je suis plus là. T'as plus envie de grossir? Non. T'as pris en phase? Non, j'ai surtout envie de me... Enfin, de soigner ma tête, quoi. Là, le poids, il va trop vite et ma tête, elle suit pas, enfin... Qu'est-ce que tu ressens? Je suis triste. Je suis triste et j'en ai marre. Pourquoi? Parce que l'anorexie, ça te bouffe, quoi. Ça te bouffe tout le temps. Ça vous bouffe corps et âme. Tu peux pas être normal, tu peux pas manger avec les gens, tu peux pas. Hier, je suis allée me promener, au bout d'une heure, j'étais morte, quoi. J'étais trop morte. J'étais morte de fatigue. Alors qu'avant, je pouvais marcher 4 heures sans me fatiguer. Quoi. Bon, bonjour, voilà. Bonjour, docteur. Alors, si on faisait le point. Maintenant, quand je stabilise ou que je perds ou que j'en prends pas, étant donné que je fais des efforts, j'ai l'impression de ne pas être récompensée. On voit que le déjeuner est très juste, quoi. 500-550 calories pour un déjeuner, c'est vrai que ça serait bien mieux si ça tournait autour de 700 ou 800 calories. Si j'avais la possibilité de te donner 10 kilos, là, 10 kilos en 10 jours, d'un poids normal, quoi, 10 kilos en 10 jours. Tu serais prête? Peut-être 5. Il y a pas mal de stagiaires. 1h07. Ouais. Voilà, là c'est le moment angoissant. C'est parce que dans notre tête, on se met des horaires et c'est à 1h qu'il faut manger. Parce qu'après, à 4h, il y a le goûter. Alors si on mange à 1h30, à 4h, on n'a pas faim. Et on mange à 4h30 et après, à 7h, on n'a pas faim. Et ça nous décale tout et on est... ça nous perturbe. Bonjour. Là, par contre, non, pas. Comment? On peut pas manger comme ça devant vous, c'est pas possible. Le matin, ça va parce que c'est un repas qu'on arrive à faire normalement, mais là, même devant nos parents, on peut pas manger, quoi. Voilà, c'est arrivé. J'aime pas les cornichons. Les pommes de terre, j'aime bien, mais je sais que ça va. Va pas falloir que je me pose de questions quand je vais les manger, quoi.
parce que je m'en suis privée pendant longtemps, donc c'est un aliment auquel il faut que je me réhabitue. Je l'ai tellement enlevé de mon alimentation que où est-ce que je vais arriver à prendre tout, quoi. Le volume me fait peur. Mais j'ai hyper faim, je te jure. Je te dis. S'il te plaît. Non, c'est hors de question. Mais c'est la première fois que ça m'arrive. Tu sais ce que ça représente, j'ai faim. Vas-y, Leslie. Je veux manger, j'ai faim. Non, je te donnerai rien. Tu n'es pas assez convaincante, là, Leslie. Vas-y. Mais tu te rends pas compte, c'est la première fois que ça m'arrive. Vas-y, Leslie, respire. J'ai faim. Vas-y, respire, Leslie, on y va. Vas-y, dis-lui, j'ai faim. C'est non. J'ai faim. Tu aurais pu faire quelque chose. Ok, on respire. Vas-y, essaye le sourire, parce que peut-être que si tu lui fais un sourire, peut-être qu'elle va dire oui. Super! Comme chaque mercredi, c'est avec des cours d'expression corporelle que Sybille, ex-anorexique, aide ses jeunes filles à accepter et à aimer leur corps. Doucement avec toi. C'est le plaisir de se maquiller, là. Fais-toi un petit bisou dans la glace. Bop, bop, bop. La glace, elle est là, les filles. Ouais, merci. Rouge à lèvres. Vas-y. Regarde si ton soutien-gorge est bien mis, si les bas tiennent bien, si la jupe est bien accrochée derrière. Allez, on tombe des mains, les filles. Avec la même assurance que t'as, là. Tu vois, cette espèce, c'est en toi, quoi. T'as pas cherché à faire ça, c'est... Tu gagneras sur la maladie. Si t'as la même assurance comme ça, on respire. Allez, on respire, Gwenaëlle. On respire, les filles. Gwenaëlle pleure, on respire tout ensemble. Allez, Leslie. C'est parti, Anna. Allez, respire. On respire. Allez, les filles, montrez-nous comment il faut qu'on respire. Allez, hop. Allez. Allez, fais-moi sourire. C'est bon? Génial, c'est parti. Ça marche. Salut la caméra. Voilà. Pourquoi est-ce que vous ne souhaitez pas qu'on filme pendant que vous mangez? Parce que c'est notre moment à nous. Et on a l'impression d'être comme des bêtes, en fait. Parce que pendant tellement longtemps, on s'est coupé du côté convivial du repas. Et à la fin, le peu qu'on mangeait, tout le monde nous regardait parce que... C'était un événement, quoi. Ouais, voilà. Et maintenant, moi, je ne peux pas manger devant ma mère, quoi. C'est pas possible. J'arrive à manger devant les filles, mais devant ma mère, je peux pas. Toujours pas, en tout cas. Toujours pas, j'espère. On a l'impression qu'on est jugé, quoi. Donc, le fait qu'on est là pour apprendre à manger, on se trouve, nous seuls, face à la nourriture qui nous fait tant peur. Et c'est un apprentissage, faut tout réapprendre. C'est de l'apprivoiser, quoi, et de vous apprivoiser. Voilà. Quand le médecin vous demande pourquoi, si je peux vous donner 10 kilos, est-ce que vous les prendriez? On vous voit réfléchir assez longtemps, puis dire finalement 5 plutôt. Parce que je pense qu'il faut qu'il y ait un suivi aussi psychologique. Si on grossit pour grossir sans comprendre pourquoi on le fait, ça sert à rien. Pour la suite? Ça sert à rien pour la suite. Ouais. Donc je pense que ce qui est très important, c'est le fait de grossir physiquement, mais aussi grossir psychologiquement. Qu'est-ce que vous saviez de l'anorexie au moment où vous avez cessé de vous alimenter? Est-ce que vous saviez que c'était un trouble connu qui touchait pas mal d'adolescentes, 4% des adolescentes en tout, qui peut avoir des conséquences extrêmement graves? Les conséquences les plus graves, vous saviez tout ça? Moi, au début, non, je ne connaissais pas ce que c'était l'anorexie. Je l'ai appris peut-être au bout d'un an et demi, 2 ans. J'ai commencé souvent par lire des magazines et puis je me suis reconnue dans certains thèmes. Et c'est là que j'ai vu que je souffrais des symptômes qu'il y avait écrit dans le magazine. Qu'on parlait de vous, quoi. Et vous? Moi, je le savais un peu parce que ma mère, quand elle a vu que je commençais à pas manger, elle me disait que c'était grave, quoi. Mais... Après, c'est un cercle vicieux, on plonge dedans et pour en ressortir, c'est hyper dur. Comment vous avez plongé dedans? Qu'est-ce que vous cherchiez quand vous avez plongé dans l'anorexie? Je sais pas. Ça s'est déclenché comment? Du jour au lendemain, j'ai arrêté de manger, quoi. Mais il s'est bien passé quelque chose dans votre tête? Ouais, mais ça, on sait pas, c'est tout le travail. Enfin, la bouffe, c'est un prétexte, quoi. Ça aurait pu être la drogue, comme l'alcool. Là, c'est tombé sur la nourriture et voilà, quoi.
Mais c'est dans la tête que ça se passe et c'est pour ça qu'on est suivi psychologiquement. Pour essayer de trouver la racine du mal, quoi. Et vous, Gwenaëlle? Moi, j'ai voulu commencer par un régime amincissant. Ouais. Et je suis tombée dans le panneau, quoi. Mais comment on peut tomber d'un banal régime dans le panneau, comme vous dites? Disons que ça commence souvent par... Enfin, moi, personnellement, ça a commencé par un régime. Et puis, après, l'activité, etc. Puis, il y a des événements dans la vie qui font que... Et puis, c'est le cercle vicieux. Puis, dès qu'on a un problème, en fait, on va se rabattre sur la nourriture au lieu d'extérioriser et apprendre à vivre pour soi et non plus pour les autres. Se rabattre sur la nourriture, au contraire, vouloir pousser la nourriture. Oui, mais disons qu'on se sert de ce prétexte-là. D'accord. Pour... Et ça, on peut le cacher, vous avez pu le cacher longtemps à vos parents? Assez longtemps, oui. C'est-à-dire? J'ai pas la notion du temps, mais je sais que j'étais très rusée. Ah oui, c'est pour ça qu'on est fort. Ouais. À vous aussi? Ah ouais. C'est terrible, on fait n'importe quoi. Je me souviens d'un repas où il y avait une raclette et évidemment, pour moi, c'était impensable de manger de la raclette. Et ben, je faisais semblant de me moucher et je mettais tout dans le mouchoir, quoi. Et après, ben, j'allais dans la cuisine pour mettre le papier à la poubelle. Par exemple, quoi. Vous avez toute une virtuosité pour faire passer la nourriture dans le mouchoir qui disparaît dans le chemisier. Ouais, c'est une tactique. C'est une tactique, mais en discutant prévu, ensemble, hein. Vous êtes aperçu que vous aviez des trucs en commun que... Oui. Mais qu'est-ce qui est prévu tout vous êtes organisé comme un kleptomane, déjà, quoi. On monopolise la cuisine. Parce que moi, personnellement, mon trip, c'était de faire à manger aux autres, mais pas manger, quoi. Et donc, je gavais, quoi. Je donnais à manger aux autres. Mais pourquoi? Pour montrer que vous aviez pas de pour montrer aux autres que vous n'aviez pas de problème avec la cuisine? Non, je sais pas. Ça me faisait plaisir de voir manger les autres, quoi. C'est un truc que je pouvais plus faire. Et, Au fur et à mesure que vos kilos s'envolaient, parce que ça tombe toutes les semaines au bout d'un moment, qu'est-ce que vous ressentiez? Plus on maigrit, plus on se trouve gros. Ah bon? Ouais. C'est hallucinant. Jusqu'à une certaine prise de conscience. Voilà. Mais c'est vrai que... en fait, plus on maigrit et plus on est content, plus on se sent fort et on a envie d'aller plus loin pour voir jusqu'où on peut aller. Parce qu'on est en hyperactivité tout le temps, quoi. C'est à la fin, on tient par les nerfs, hein, c'est vraiment ça. Hein. Moi, à la fin, je dormais pas les nuits. Hein. Alors, vous cachez beaucoup de choses. Pourtant, vous avez un mal-être qui s'exprime donc dans ce rapport à la nourriture. Vous disiez à l'instant que ça aurait pu tomber sur la drogue, l'alcool ou autre chose pour l'exprimer. Mais le rapport à la nourriture a quelque chose de particulier. Par exemple, quand quelqu'un cesse de s'alimenter volontairement pour des raisons sociales, on appelle ça une grève de la faim. Ça s'apparente souvent à un appel au secours. Est-ce que pour vous, ça s'apparente aussi à un appel au secours? C'est anorexie. Émilie. Gwenaëlle. C'est difficile encore à l'heure actuelle de... Passer de recul encore? Ouais. Un refus de grandir aussi? Pas forcément. Moi, pour ma part, ouais, je pense. Ouais, c'est-à-dire? Enfin, le refus d'être une femme, je pense. Et pour quelle raison? Faut aller loin. Faut travailler encore. Vous avez des pistes déjà? Vous avez des idées? D'où ça peut venir? Non. Non, vous n'avez pas envie de m'en parler en tout cas? Non. Vous? Disons qu'il y a une certaine peur de l'avenir. Du monde qui peut nous entourer, qui fait peur. C'est devenir surtout, une femme peur d'avoir... Surtout à un stade... en fait, on quitte l'enfance, qu'on a souvent aimée, pour aller vers un monde adulte que l'on ne connaît pas et qu'on appréhende. Ok. Est-ce que vous réalisiez que votre vie était peut-être en danger? Oui. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Ça s'est passé combien de temps avant votre hospitalisation? Vous l'avez senti longtemps à l'avance? Oui. Moi, ça faisait... à peu près un an déjà. Moi, j'étais sûre de ne pas fêter mes 19 ans dimanche, quoi. Et en fait, voilà. Vous avez derrière vous d'autres filles qui sont hospitalisées comme vous. Avant de leur donner la parole, je dois savoir comment vous avez décidé de vous faire hospitaliser. Est-ce que c'est vraiment une décision ou est-ce que... Oui, de toute façon, si on se fait hospitaliser, il faut avoir la volonté de s'en sortir, quoi. Et... Parce que le travail, c'est nous qui le faisons. Hein. C'est pas les médecins qui le font. On a le volant entre les mains, on nous met l'essence, mais si on n'appuie pas sur l'accélérateur, personne ne fera notre place. Hein. 80% de notre travail et 20% des médecins. Parce que sinon, en sortant, ça reviendra au même. Leslie, Sandra et Anna sont avec nous. Comment s'est pris votre décision, bonsoir mademoiselle, les deux d'entrer à l'hôpital? Moi, c'est mon papa qui m'y a emmenée. Vous avez quel âge? 26. Vous y êtes depuis combien de temps? Bientôt 3 mois. Bientôt 3 mois. Votre anorexie s'est déclenchée à quel âge? 25.
Donc assez tard quoi, par rapport aux, aux moyennes qu'on a pour l'instant. Comment vous êtes devenue anorexique? Brutalement aussi? Oui, très brutalement. Ce n'est pas la suite d'un régime, c'est un dégoût de la vie. C'est une forme de suicide dont vous parlez alors? Non. Non. Non, mais... Il y a eu un événement particulier? Oui, mon père a été très malade l'année dernière et j'ai été beaucoup touchée par sa maladie. Et c'est lui qui vous a ensuite conduit à l'hôpital? C'est ce que vous disiez, quoi. Ouais. Donc il va mieux, lui? Il va mieux, lui. Non, et c'est tombé sur vous, d'accord. Et vous acceptez les traitements? Vous sentez que ça vous fait du bien? Oui, mais au début, j'acceptais pas, je n'ai pas accepté tout de suite l'hospitalisation. J'étais pas d'accord, je me sentais pas du tout anorexique. Ah bon? Non. Pour moi, je n'étais pas anorexique parce que je mangeais très peu, mais je mangeais tout de même. Et vous maigrissiez régulièrement? Oui. Ouais. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Vous avez quel âge, vous? 15 ans et demi. 15 ans et demi. Vous avez commencé à être anorexique à partir de quel âge? 15 ans. Ah bon, c'est tout récent. Vous avez perdu beaucoup de poids? Vous avez vraiment... Beaucoup de poids, oui. En 3 mois, j'ai perdu pratiquement 15 kilos. Ah oui. Pendant l'été, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop exactement, mais c'est pareil, c'était le dégoût, plus envie de rien. Et voilà. À vos côtés, c'est Sybille, la prof d'expression corporelle. Quand vous entendez parler justement des raisons pour lesquelles elles ont adopté ce comportement d'anorexie, est-ce que vous comprenez pourquoi vous, qu'est-ce qui a pu déclencher ces comportements chez elles, chez ces jeunes filles, ce qu'elles n'arrivent pas à nous dire aujourd'hui? Je ne me pose pas la question comme ça, je n'ai pas à juger. Oui. Ah non, c'est pas juger, c'est comprendre. Hein. Ah non, c'est pas juger si c'est bien ou si c'est mal, juste comprendre. C'est bon, il y en a d'autres, ça sera l'alcoolisme, d'autres, ça sera autre chose. Bon, ben, l'anorexie, ça fait partie d'une manière d'exprimer quelque chose, oui. Bien sûr. Mais quoi? Oui, Isabelle. Mais personne n'a parlé de culpabilité. Oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, vous, anorexique, Gwenaëlle, de vous punir ou peut-être de punir le monde, ou en vous forçant à ne pas manger, ou pas du tout? On se sent coupable tout le temps. Tout le temps, c'est ça. Quand on mange, dès qu'il se passe un truc, on se sent coupable. Et j'ai perdu cette culpabilité. Je l'avais au début, mais depuis qu'on prend conscience de son état critique, je sais que moi, elle disparaît. Je donne la parole à tes parents, justement, à vos parents, pardon, mademoiselle, monsieur et madame Berruyer. Où est-ce que vous êtes, monsieur et madame? Bonsoir, bienvenue parmi nous. Vous êtes donc les parents de Gwenaëlle, on vous a entendu dans le reportage. Quels sont les premiers signes qui vous ont alerté avant de vous apercevoir que votre fille cachait la nourriture dans la manche de sa chemise ou de son chemisier ou ailleurs encore? Je me suis rendue... Vous l'avez vu maigrir, votre fille, pardon? Oui, je l'ai vu maigrir, mais c'était déjà trop tard. Si vous voulez, quand elle est rentrée de vacances, elle m'avait dit qu'elle avait quelques kilos à perdre. Et aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est que si leur enfant, en tant qu'adolescent, désire perdre 2, 3 ou 4 kilos, bien d'aller voir un médecin de manière qu'il prenne bien en main, parce que l'adolescence, c'est un âge très, très délicat, et puis Gwenaëlle n'a pas vu le danger. Et puis moi, je m'en suis rendu compte, mais déjà, c'était trop tard. Quand vos parents s'en sont rendus compte, vous saviez déjà, vous aviez feuilleté les magazines dont vous parliez tout à l'heure, vous saviez déjà que vous aviez un comportement anorexique. Ouais. Vous saviez comment l'aider? Quelqu'un vous a conseillé assez vite de comment aider ou encourager, ne serait-ce qu'encourager votre fille? Je ne connaissais pas cette maladie-là. Ah oui. Je l'ai connue que quand Gwenaëlle était tombée malade et quand je me suis renseignée après avec les médecins. Comment l'aider? J'ai fait tout mon possible pour être à son écoute, la ramener voir les médecins. Les médecins nous ont dit d'attendre un petit peu, que Gwenaëlle prenne elle-même la décision de rentrer à l'hôpital, tout ça. D'accord, très bien. Est-ce que cette révélation, le fait d'apprendre que le fait de maigrir, c'est une maladie, que cette maladie a un nom, qu'elle est connue, qu'elle peut être extrêmement dangereuse, est-ce que ça a changé vos relations avec votre fille? Non, pas du tout. Au contraire, je me rapproche de plus en plus d'elle, on a toujours été très proches, mais si elle a eu besoin d'un coup de main, j'ai toujours été là pour l'aider. Concernant la culpabilité, on a parlé de celle de ces jeunes filles, quelle est celle des parents? Est-ce qu'on vous a culpabilisé sur la forme physique de Gwenaëlle, ou est-ce que vous vous êtes culpabilisé tout seul, si je puis dire, si monsieur veut répondre? On nous a culpabilisé, oui, c'est vrai, les gens de notre entourage, parfois les voisins. Nous-mêmes aussi, on se culpabilise, on cherche toujours où il y a la faille, comment se fait-il qu'on en est arrivé là. Bon, contrairement à mon épouse, moi je me suis aperçu quand même tout de suite que Gwenaëlle a un problème de comportement alimentaire. Les jours qui ont suivi son arrivée de vacances, j'ai bien vu qu'il se passait quelque chose d'anormal.
Elle consommait énormément d'eau et beaucoup de pommes. Vous avez l'impression d'avoir compris ce qui s'est produit, vous ? Compris, pas vraiment. Non. Non, non. On va chercher, on va trouver, je pense, et c'est la clé de la guérison. Merci, monsieur Berruyer. Johanna, vous qui avez un petit peu de recul par rapport à tout ça, vous ressentez quoi en écoutant ces jeunes filles parler ? C'est dur. C'est dur ? Ça vous rappelle beaucoup de choses que vous avez traversées ? Ouais. Mais je vous laisse respirer 2-3 petites secondes. Vous voulez un verre d'eau ? Non, ça va. Ça va ? Vous êtes guérie aujourd'hui ? Je pense qu'on garde toujours des séquelles. Vous vous sentez plutôt vaillante, en tout cas, mais... Bien, mais... Mais il y a toujours des problèmes avec la nourriture. Déjà, je mange toujours la même chose. C'est-à-dire ? Ben, j'ai trouvé un jour qu'en mangeant des courgettes et des champignons, je grossissais pas, donc j'ai continué, je mange toujours la même chose. Quand vous mangez que des courgettes et des champignons ? Vous accompagnez ça de viande, de poisson, de... Vous non, équilibrez votre je suis végétarienne. Je suis devenue végétarienne. Ah bon ? Et ça vous suffit aujourd'hui à garder un poids équilibré ? Oui, ouais, parce que je mange aussi... du chocolat, ça m'arrive, mais enfin, j'ai toujours gardé le même repas. Courgettes et champignons. Ouais. C'est bon ? Oui. Ça va. Bon. Vous supportez de manger toujours la même chose ? Oui, très bien. Les gens... quand je mange plus avec ma famille du tout. Ah bon ? Ça, j'arrive pas. Mais quand je mange avec des amis, on dit que j'ai une alimentation un peu space. Et sinon, vous mangez seul le reste du temps ? Oui. Ça me dérange pas. Ça vous dérange pas ? Non. Vous avez toujours envie de vous cacher quand vous mangez, comme l'ont exprimé ces jeunes filles ? Oui, parce que... Surtout, je me cache de ceux qui m'ont vue anorexique. Ceux que je connais pas, ça va, mais ma famille, c'est trop dur. Comment... Vous avez été à l'hôpital, vous aussi, hein, plusieurs fois ? Oui, 3 fois. 3 fois en tout. Ça ne s'est pas toujours bien passé. En tout cas, les 2 premières fois, ça s'est pas passé comme vous vouliez. C'est-à-dire que si vous êtes retourné, c'est que ça n'a pas suffi, en tout cas. Pourquoi ça s'est mal passé les premières fois ? J'avais l'impression d'être gavée. D'être gavée, justement ? Ah, oui. Ouais. J'ai pris des... Enfin, j'étais un peu une rebelle, donc surtout dans le premier hôpital. J'avais pas mal de petits trucs. Je restais debout toute la nuit. Ah bon ? Ouais, l'idée de s'allonger, c'était obligatoirement, bon, bah, on grossit. Plus je marchais, plus j'étais contente. Donc c'est de la faute de l'hôpital ou c'est de votre faute à vous, alors, si ça s'est mal passé ? Ah non, c'est de ma faute. C'est votre faute, vous pensez ? Et la 3e fois, ça s'est mieux passé ? La 3e fois, c'était particulier, c'était en Irlande, à Belfast. Et là, j'étais avec des personnes âgées, enfin, c'était pas du tout spécialisé. On m'a dit, bon, bah, tu restes là tant que t'as... Enfin, j'étais à 24 et on m'a dit « tu peux sortir à 36 ». Donc j'ai commencé à manger, mais vraiment. Et le matin, on avait on pouvait acheter des barres de chocolat. J'ai dû dépenser plus de 1000 francs en chocolat. Vraiment, j'arrêtais pas. Je mangeais ceux des vieilles dames aussi, qui piquaient les sandwichs. Ça voulait piquer le chocolat des vieilles dames. Elle me les passait. Elle les passait. Ouais. Elle savait que... T'en as vu besoin ? En sortant, on m'a dit ils n'ont jamais vu quelqu'un prendre aussi vite. Bon. Ça a décollé. Hein. C'est-à-dire que vous avez pris pour sortir ? Ah oui. Ouais. Et en sortant ? En sortant, je suis devenue boulimique vomisseuse. Ah oui ? C'est-à-dire que vous êtes passé d'un inverse à l'autre ? Oui. Et comment vous avez réussi à vous rééquilibrer ? La boulimie, c'est fini, mais ça revient quand je suis vraiment très stressée. C'est tellement facile. C'est tellement facile de replonger pendant 1 ou 2 semaines. Mais bon, ça va. Je pense que quand j'ai commencé, c'est parce que j'avais pas énormément d'amis. Et là, maintenant, j'ai un bon groupe d'amis et je me sens bien. Pourquoi vous n'aviez pas d'amis ? J'étais renfermée sur moi-même. Et quand j'étais à la maternelle, on m'a traitée de mollasse. Et ça m'a énormément marqué. Fais attention à ce qu'on dit aux enfants. Hein. Ouais, on est fragile. Vous surveillez votre poids encore ? Ouais. Ouais. Je me sens pas bien quand j'ai pris 2 kilos. Mais enfin, j'aurais du mal à recommencer un régime. Je pourrais plus, je pense. Ouais. Pas parce que j'ai peur, mais parce que j'arriverai plus. Vous avez pesé moins de la moitié de ce que vous pesez aujourd'hui ? Ouais. Ça, vous étiez toute petite, petite, petite. J'arrivais plus à monter les escaliers, j'arrivais plus à marcher. Ouais. Et je me sentais très isolée.
Vous étiez jeune hein, quand vous avez commencé à moins vous alimenter, autour de 13 ans, ouais. Début de l'anorexie, jusqu'à 16 ans, vous en avez aujourd'hui 17. Quel regard vous portez sur votre physique quand vous pesiez 24 kilos? J'ai gardé 3 photos et quand je les regarde, ça me fait bizarre parce que je me reconnais pas, je me reconnais pas du tout. Vous la regardez volontairement, vous tombez dessus, vous avez besoin de la regarder? Non, des fois quand je repense, quand je relis des choses qu'on m'a écrites, enfin des lettres que j'ai reçues, je la regarde et juste pour, enfin je revis en fait. Pendant longtemps j'ai vécu dans le passé, maintenant j'arrive à avoir des projets, mais avant j'avais pas, je restais bloquée sur le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même pas cet auto-gavage en Irlande qui a fait que vous êtes devenue une personne plus sociable, qui a plus envie de vivre. Il y a forcément eu quelque chose d'autre, non? Je crois que, si on peut parler de déclic, j'en ai eu 2. Un au lycée en arrivant. Ça peut paraître ridicule, mais je suis arrivée et on a une vue sur Paris. Et j'ai vu le soleil se lever. Et j'ai loupé la première heure de cours. Je suis restée assise à regarder ça. Elle me dit, mais tellement de belles choses à voir. Et depuis, j'ai vraiment envie de vivre maintenant. Beaucoup plus. Je crois que je suis sortie de l'ombre. Et le deuxième déclic alors? C'était quand j'ai dû faire des examens parce que ma grand-mère me surveillait. Au début, je croyais qu'elle ne me surveillait pas, mais en fait, c'était surveillance 24 heures sur 24. J'ai fait des examens et j'ai reçu une lettre. Enfin, ma grand-mère a reçu une lettre qu'elle m'a montrée. Et là, on m'a parlé de mort. Enfin, j'ai toujours pensé à la mort, mais. Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Qui a écrit cette lettre? C'est un médecin. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Mes reins étaient en train de se bloquer. Ouais. Et j'avais un taux énorme de poison dans le sang. Donc là. Et comment ils parlaient de mort, le médecin? Ils ont mis le mot. Quoi, danger de mort? Ouais. Ou... Et là, lire ça, parce que j'ai toujours pensé, mais que ce soit pas de ma volonté directe, que ça arrive comme ça, sans que je l'ai prévu, c'est. C'était dur. C'est que votre vie ne vous appartenait plus dans ces cas-là en plus. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous avez retrouvé en retrouvant l'appétit? Énormément de choses. L'envie de sortir, d'avoir des amis. J'ai repris ce que je faisais avant. J'adore dessiner, des choses comme ça. Avant, au moment où on ne dessine plus, on arrête. Ouais. On ne pense plus qu'à marcher, aux calories. Les calories, je les connais par cœur. Mais. D'ailleurs, je les regarde toujours. Ouais. Je vais demander à Isabelle Carbonel de venir nous rejoindre, qui va nous apporter quelques éclairages scientifiques là-dessus, si vous voulez bien l'encourager. Je pense qu'on a besoin. Vous êtes docteur, vous êtes psychiatre précisément, donc spécialiste des troubles alimentaires, donc bien sûr l'anorexie, bien sûr la boulimie. Vous travaillez en hôpital aussi dans un centre de jour qui accueille des malades uniquement pendant la journée. À quoi les parents doivent être particulièrement attentifs? Je crois qu'elle l'a dit, cette maman, il faut être attentif aux premiers symptômes d'isolement. Pour moi, ça me semble capital, c'est-à-dire la jeune fille qui rentre du lycée, qui a d'ailleurs de moins en moins envie d'y aller, même si elle présente un hyper-investissement intellectuel et une hyperactivité physique, mais qui ont de moins en moins d'amis, de moins en moins de désir de sortir et une forte préoccupation pour une toute petite surcharge hein, de 2-3 kilos en plus. Ça prend la tête. Ouais. Et ça prend le corps. Ça prend la tête et ça prend le corps. On a vu parfois c'était un mot qui pouvait déclencher chez monsieur, par exemple, une remarque quand il était petit d'un petit garçon qui avait une syncope. On lui dit, c'est sans doute parce qu'il n'a pas eu de petit déjeuner qu'il est comme ça. Donc monsieur s'est dit qu'il fallait manger pour ne pas tomber en syncope. Mademoiselle nous a parlé de ce qu'elle avait entendu en maternelle, qu'il a profondément secoué, visiblement. Comment expliquer qu'un petit mot comme ça déclenché très jeune puisse avoir des conséquences pareilles? Parce qu'il y a des prédispositions. Et le petit copain qui dit « je ne vais pas sortir avec toi parce que tu as des petites fesses ou des grosses fesses », tout de suite, ça va bloquer et prendre des proportions terribles chez cette jeune fille qui se dit déjà qu'elle est mal. Donc, une petite surcharge pondérale va entraîner un régime. Et après, ce n'est plus un régime, ça devient une maladie psychologique. Émilie disait que ça aurait pu être aussi la drogue ou l'alcool. Quoi. Que ça aurait pu être une autre béquille. Est-ce que le fait de s'intéresser, de se focaliser sur la nourriture veut dire quelque chose de particulier? Je pense que ça veut dire aussi qu'on a une souffrance et une difficulté d'exister
peut-être par rapport à sa mère, mais on disait aussi que les anorexiques, c'est peut-être les générations au-dessus aussi à qui on lance le message. Les grands-mères maternelles ont peut-être eu aussi un rôle à jouer. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que souvent, les anorexiques qui me parlent me disent également qu'elles ont été souvent confiées à la grand-mère qui avait dans son éducation nutritionnelle des tas de choses qu'elles ont mal vécues. Quoi, un rapport à la bouffe issue de la guerre, quoi, pour parler par clairement. Exemple, c'est-à-dire voilà. Quand il y en a, on la mange tout. La peur de manquer. La peur de manquer, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle, de tout ce que vous entendez là? Dites moi, franchement. Je pense que le rapport avec la mère, ça n'a strictement rien à voir. Quoi. Enfin, vraiment. Je sais pas ce que t'en penses, Gwen. Ouais, souvent, avant de rentrer à l'hôpital Bichat, j'ai eu un suivi psychologique avec d'autres médecins qui voulaient absolument me mettre sur cette piste la faute de la maman, etc. Ouais, et... Moi, j'ai pas dit faute, hein. J'ai dit non. C'est des interactions familiales qui sont souvent très complexes et on n'arrive pas à trouver une autonomie. La période élective de l'entrée dans l'anorexie ou de la boulimie, c'est l'adolescence. C'est la période où on doit un peu s'échapper du regard de la mère, qu'on doit trouver une indépendance et une autonomie. Et je ne dis pas que c'est la faute, c'est des interactions qui doivent être sans doute étudiées, approfondies. Me concernant, non. Moi non plus. Yana, ah oui. Toi je surveillais ma mère constamment. Je voulais qu'elle mange ce que je ne mange pas. Enfin, ce que je mangeais pas. Ah bah c'est un peu la même manière quand vous faisiez manger pour toute la famille. Ouais. Ouais, gaviez, les anorexiques en savent, je trouve, très long sur tout le domaine de la diététique. Hein. Et beaucoup se profilent vers une profession de diététicienne. Ensuite? Bien sûr. Au moins que tout ça soit pas perdu, oui. Que ça ait servi à quelque chose, si on peut dire. Et elles sont non seulement très à mieux se connaître, cuisinières. Elles sont à bonne cuisinière. Bon. Voilà un message. À quelles conditions une ancienne anorexique réussit à équilibrer son comportement alimentaire? Ce qui est presque le cas de Johanna, je dis presque. Hein. Moi, je pars du principe que l'anorexie prie au départ quand le symptôme vient de s'installer, quand il n'y a pas une autofixation, quand les choses ne sont pas profondément enquistées, il y a un bon pronostic. Mais l'aide, le soutien passe par une psychothérapie. Et un point de plus, c'est non seulement la psychothérapie individuelle, mais c'est aussi les thérapies familiales. Je donnerai la parole à Isabelle un peu plus tard. Je vais interroger une autre Isabelle. Isabelle Petit qui est avec nous quelque part ici. Où est-ce que vous êtes, Isabelle? Bonjour. Bonsoir plutôt. Vous êtes, bienvenue. Vous avez été anorexique vous aussi. Aujourd'hui guérie? Pas vraiment, non. J'ai un peu le même comportement que Johanna. Que Johanna. Ouais. Avec des séquelles en tout cas. Vos habitudes alimentaires restent un peu particulières. Donc cette jeune fille, c'est les champignons et les courgettes. Et vous? Moi pour l'instant, c'est les glaces à la vanille avec du chocolat blanc autour. Un truc qu'on vend dans les supermarchés qui sont un peu à la mode en ce moment. Voilà. Vous mangez que ça? Le soir. Et le midi? Je ne mange pas le midi, je mange le matin. Qu'est-ce que vous mangez le matin? Un bol de céréales et du miel. Et le soir, de glace, de grosses glaces, quoi, j'imagine. Non, une glace et puis maintenant j'ai mis deux mousses au chocolat. Vous variez, quoi. Et c'est tous les jours pareil? Pour l'instant, oui. Depuis combien de temps? Depuis 5-6 mois, là, maintenant. Et avant? Avant, c'était caramel. Que du sucré? Vous mangez que du sucré? Oui, pour l'instant, oui. Vous aimez pas le salé ou... J'aime bien en été, oui. Je mange des salades. Avec de la crème fraîche et du vinaigre balsamique, j'en mange. Vous avez toujours eu des comportements alimentaires un peu particuliers, toujours, comme ça? Oui, toujours. Racontez-nous. Par exemple, j'ai décidé de maigrir le jour de Noël, au repas de famille. J'ai senti que j'avais pas le droit d'être pas bien. Et moi, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Et voilà, je suis arrivée chez moi, j'ai dit, bon, mais demain, je commence à maigrir, quoi. Voilà. Sans régime particulier, donc avec toutes les carences qu'on peut rencontrer. Ouais, enfin, j'avais des plans, j'avais des... Des plans? Oui, des plans. Je me mettais à table avec une calculatrice, et puis je notais toutes les calories que j'ingérais. Je faisais des super menus équilibrés, mais à 30 calories, 50 calories, ça dépendait, quoi. Ouais. Équilibré, mais petit, alors. Voilà, je mangeais
un rond d'épinards, un galet d'épinards congelé avec une sèche. Voilà, ça me faisait un repas équilibré et comme ça. Il y a des protéines et puis il y a des légumes. Voilà. Vous êtes du sud, vous, hein? Oui. Oui, ça s'entend. aujourd'hui, en mangeant ce que vous mangez, c'est-à-dire, vous nous avez dit quoi? Un bol de céréales, du miel et puis le soir, une glace et deux mousses au chocolat. Comment on peut arriver à manger toujours la même chose tous les jours? C'est valable pour vous? Ça me rassure parce que sinon, je ne sais pas manger, quoi. Enfin, j'ai pas de limite. Vous avez peur d'être débordé? J'ai envie de tout, ouais. J'ai envie de tout, donc soit je prends rien, soit je prends tout. Et vous avez besoin d'un cadre un peu rigide comme ça et vous savez que c'est voilà. Ça et pas autre chose, quoi. Alors je note. C'est ça, Joanna, aussi? Ouais. Ça m'est arrivé aussi de me nourrir par couleur aussi. Par couleur? Oui. C'est-à-dire? Vert, les haricots, les épinards et les brocolis. Jour vert. Voilà, jour blanc, c'était produits laitiers, etc. Orange, donc carottes, jus d'orange, abricots. Et qu'est-ce qui pouvait vous donner la couleur d'un jour? C'est comme ça, je me lève le matin, je dis aujourd'hui c'est blanc, quoi. Aujourd'hui c'est blanc. Non, ouais. Mais c'est un enfer quand même. Est-ce que vous pensez à l'avenir? Est-ce que vous pensez réintroduire peu à peu dans votre alimentation des aliments que vous consommiez dans le passé? Et j'espère, oui. Vous espérez? Vous essayez? Vous y pensez? Disons que je vis bien avec, pour l'instant. Donc, je ne me préoccupe pas trop de ce qui peut se passer après. Merci, mademoiselle. Elisabeth, plus jeune, vous avez été vous aussi anorexique. Vous avez connu l'anorexie? Oui, bah même jusqu'à... J'ai commencé à l'âge de 17 ans. Oui. Et jusqu'à l'an dernier, j'étais hospitalisée dans un hôpital pendant 5 mois pour anorexie. J'étais nourrie 5 semaines par sonde. Donc ça revient par vague aussi, comme la boulimie. J'étais à 30 kilos, quoi. Ils m'ont fait remonter à 49 kilos. Et là, je suis redescendue à 42 kilos et je ne veux pas grossir plus. Et donc, quand je mange, en même temps, il y a une partie de moi qui me dit « Il faut que tu grossisses, puisque je suis contrôlée toutes les semaines par un médecin. Il faut que tu grossisses. » Et dès que j'ai commencé à manger, je me punis en disant « Ah, tu as commencé à manger, tu n'avais pas le droit. » Et donc, c'est le gavage. Moi, c'est vraiment le gavage jusqu'à ce que j'en puisse plus, jusqu'à ce que je sois prête à éclater. Et quand vous mangez, vous ressentez quoi au moment où vous mangez? Bon, au début, je choisis quand même des choses que j'aime. Donc du plaisir. Donc du plaisir et très vite de l'écœurement, même si c'est des choses que j'aime, c'est très vite de l'écœurement parce que bah, c'est... Et comment le corps dit stop alors que déjà vous avez dépassé le seuil limite? C'est l'estomac qui dit stop. Il ne peut plus. C'est quand l'estomac dit stop. La tête, elle ne dit plus rien. C'est le matin, c'est le petit déjeuner. De toute façon, le petit déjeuner, c'est toujours un petit déjeuner assez restreint, sans sucre, bien équilibré par contre, parce que je suis diététicienne. Donc, bien équilibré. Et le midi, par contre, je m'emmène ma gamelle, je mange au self, mais je m'emmène ma gamelle, c'est de la salade, un yaourt et un fruit. Quand vous travaillez, vous arrivez à vous tenir quoi, dans le cadre du travail? Oui, oui, oui. Et le soir, dès que je sors du boulot, c'est alors là, le gavage. Et si vous avez une déprime, vous êtes arrêté, on vous arrête, enfin, vous avez un arrêt de travail, et dans ce cas, ça attaque directement, vous êtes en crise dès le lendemain? Dès que je suis arrêté, c'est la boulimie en non-stop à la maison, même si j'ai une déprime. Vous ennuyez? Vous vous ennuyez? C'est même pas de l'ennui, parce que j'ai des choses à faire, j'ai deux enfants à m'occuper. Un mari? Un mari, oui, mais enfin, mon mari, il s'occupe tout seul. Enfin, vous êtes contente quand il est là, quand même. Je suis contente quand il est là, non, mais bon, dans la journée, il n'est pas là. Mais mes enfants, dans la journée, j'ai à m'en occuper. Bon, ils vont à l'école, mais le midi, ils rentrent. Enfin, mais bon, même quand ils rentrent le midi, ils jouent tous les deux ensemble. Ils sont deux, j'ai cette chance, ils sont deux, ils jouent ensemble. Et ben moi, je mange avec eux et souvent, je mange ma salade parce que j'ai toujours des bonnes résolutions. Je me dis, tu ne vas pas faire de boulimie, donc je mange ma salade. Et comme je me suis restreinte, je me suis frustrée. Une fois que la table est débarrassée, alors je suis dans la réserve et je mange des gâteaux et je me bourre. Et maintenant, j'essaie d'attendre qu'ils partent à l'école pour vomir. Mais je sais pertinemment qu'ils m'entendent vomir. Quel âge ont-ils maintenant? Ils ont 10 ans et 12 ans. Ouais.
Alors Gilles Coudert et Stéphanie Guérin vous ont accompagné dans ces moments un peu calmes, un peu trop calmes, j'ai l'impression pour vous un peu vide. Oui. Que vous remplissez avec de la nourriture, oui. Si on pourrait dire ça comme ça. Quand vos deux enfants sont au travail, quand à l'école, quand votre mari est au travail et que oui. Vous vous retrouvez donc un peu seul. Voici donc ce reportage qui illustre ces moments de votre vie qui durent depuis pas mal d'années maintenant. Hein. Oui. Depuis combien de temps ? Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Cyril, tu viens, on va déjeuner ? Je prends un thé sans sucre, une orange, un yaourt sans sucre que je fais moi-même, et puis 4 biscottes beurrées avec du beurre à 25%. Ça paraît assez diététique comme petit déjeuner, ça. Oui, j'essaie de faire attention le matin parce que après, c'est la folie. C'est la folie pour Elisabeth, car depuis 17 ans, elle est victime de boulimie, une maladie qui l'a déjà conduite 56 fois à l'hôpital pour des périodes de quelques jours à plusieurs mois. Secrétaire dans un hôpital, aujourd'hui c'est son jour de repos. Bah je sais que ça va être journée boulimie. Mon Cyril, je vais en course et je sors un bricot. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai fait autre chose. Ouais. Un chausson pomme et un pain de chocolat aux amandes. Maintenant je mange tout au cours de route. Hein. Début d'une journée marathon, car quand une crise commence, Elisabeth parcourt jusqu'à 8 km à la recherche de ses pâtisseries préférées. Le marché, c'est pourquoi ? Pour acheter des flans et puis du pain. Pourquoi les flans au marché ? Parce qu'ils sont pas chers et qu'ils sont bons. Bonjour, j'aurais voulu 4 flans, s'il vous plaît. 4 petits flans ? Oui. Je viens d'acheter 4 flans et ils seront tous mangés avant que j'arrive à la maison, ça, c'est sûr. Là, je vais aller au supermarché faire des courses dont j'ai besoin. J'ai fait la liste. Ça fait combien, là ? Quatrième flan. Vous n'êtes pas un peu écœuré, quand même ? Complètement. Complètement écœuré. Chocolat, goûter, on va prendre. Voilà. C'est quoi ? Des carrés aux amandes, des gaufres à la vanille. Et il n'y a pas. Il y a un truc que j'adore qu'il y a dans un autre supermarché qu'ils n'ont pas ici. Mais je vais reprendre des carrés aux amandes. Et des yaourts aromatisés. Ces gâteaux-là, ça va vous faire combien de temps ? Ça va pas me durer longtemps, ça va me faire la journée. Les gâteaux vont me faire la journée. Au revoir, Christiane. Allez, au revoir, bonne journée à toi. Merci. J'ai une très mauvaise opinion de moi-même. Je m'en veux d'exister. Et pour ça, vous mangez ? Et pour ça, je mange. Je comble un vide. Je comble un vide en mangeant. Je m'anesthésie en mangeant. Je sais pas exactement ce que je fais. Ça y est, j'ai fini. Je vais manger un paquet de gâteaux comme ça avant d'aller vomir. Hein. Faut que je boive aussi, parce qu'autrement la restitution va être difficile. Je vais même pas pouvoir finir le paquet de gâteaux tellement je suis pleine. C'est rare que ça m'arrive de pas finir un paquet de gâteaux. Mais là, j'en peux plus. Là, je vais aller vomir. C'est en buvant un litre d'eau chaude qu'Elisabeth va pouvoir restituer les 3 kilos de gâteaux engloutis dans la matinée. C'est que des cochonneries que j'ai mangé. Faut absolument que j'arrive à vider tout. Ça fait mal de vomir. Hein. C'est douloureux. C'est pénible. À chaque fois, je me dis, je vais pas réussir à tout vomir. Là, je suis pas sûre d'avoir réussi à tout vomir. J'ai l'impression qu'il m'en reste encore plein dans moi. Je me sens sale. Je me sens dégueulasse. Je me sens vraiment une merde. «
C'est avec Cyril, son fils, qu'à midi, elle tente un repas normal avant son rendez-vous hebdomadaire chez son médecin généraliste. C'est quoi alors ? Donc 9,6. C'est une tension habituelle chez madame Lima. 42,4. Vous avez dû déjà musculariser, vous, hein ? Oui, à plusieurs reprises, oui. Oh, écoutez, 4, 5 fois, je ne sais pas, je ne l'ai pas... Plusieurs fois. Ça fait un an et demi que je vous vois. Oui. Il y a quand même le risque de potassium très bas qui peut entraîner effectivement des troubles cardiaques gravissimes, ça c'est évident. Donc là, on soigne un peu le côté somatique, le corps, et les complications de la maladie. C'est vrai que parallèlement à cette prise en charge, il y a la psychothérapie qui essaie de traiter le fond de la maladie. À peine sortie de chez son médecin, la maladie entraîne Elisabeth vers la boulangerie la plus proche. À chaque début de crise, je me dis toujours, est-ce que je vais pouvoir revenir ce que je mange hein. C'est à chaque fois le stress. Hein. Mais c'est plus fort que moi. Napolitain, c'est ça, qui a 7 francs là. Oui. Je m'achète des croissants ou des pains au chocolat pour me... Tiens, je vais prendre un pain au chocolat pour Cyril. Là. Bon, ça fait rien. 4 ou 5 crises par jour, comme celle de ce matin, la même quête de nourriture recommence. Alors goûter, j'essaie d'en choisir des pas chers pour les enfants. Je pense qu'il y a de moins cher pour les enfants. Et pour vous ? Et pour moi, je pense que j'aime. Vous avez fait le compte parce que ça vous coûte chaque jour, à peu près ? Non. Pas, ou... Non, j'ai jamais fait le compte parce que ça ne coûte pas toujours. Hein. C'est quand je vois que les billets sont terminés que je me dis mince. Le budget d'Elisabeth pour assouvir ses pulsions est d'environ 2500 francs par mois. Chercher des animaux, Cyril. Des animaux. Tu sais, les gâteaux, les animaux. Blanc, au chocolat ouais, blanc. T'aimes bien? T'aimes bien les gâteaux toi aussi, Cyril ? Oui, mais j'en mange quand même moins que maman. T'essaies de l'aider un petit peu parfois ? Oui, des fois je lui fais des bisous ou pour lui faire remarquer un petit peu qu'elle essaye d'arrêter de manger. Enfin, mon frère aussi, quand on fait des bisous, enfin des choses comme ça, c'est pour essayer qu'elle arrête de manger. Vous êtes Il est 18h lorsque son mari rentre avec son deuxième fils. Elisabeth, ça fait du bien le retour du maire ? Ah ouais, ça me fait du bien, même si des fois je fais de la boulimie encore quand il arrive, mais ça me fait du bien, je ne me retrouve plus toute seule à la maison. Même avec les enfants, je n'ai pas l'impression d'avoir toujours une présence à la maison parce qu'ils sont souvent dans leur chambre, isolés. J'arrive pas à comprendre ce raisonnement, j'arrive pas à comprendre comment ça se passe dans sa tête quand elle fait les crises. Sincèrement, j'arrive pas à visualiser ce qui peut... l'espèce de logique qu'il y a dans sa tête au moment où elle ouvre le frigo et... Manger en permanence, en continu comme ça. Mais on angoisse, on se dit, mais jusqu'où, qu'est-ce qui va arriver après ? Voilà donc le reportage de Gilles et Stéphanie. Qu'est-ce que vous dites ? Vous disiez quoi ? Je sais pas, j'ai trouvé quand Elisabeth était dans le magasin et qu'elle disait qu'elle prenait les gâteaux les moins chers pour ses enfants et qu'elle prenait ce qu'elle voulait, j'ai trouvé ça égoïste, quoi, enfin, pour ses enfants. Ouais, non, mais ce qui est sincère, au moins, c'est qu'elle le dit. Hein. Elle pourra le cacher. Elle n'était pas obligée de nous le dire. Si vous l'avez dit, c'est pas par hasard, j'imagine, Elisabeth. Non, si je l'ai dit, c'est parce qu'on a des problèmes d'argent et... Malgré les problèmes d'argent, je ne peux pas m'empêcher de faire des crises de boulimie. Et quand j'ai dit je prends les gâteaux les moins chers, je ne prends pas les plus bas de gamme quand même. Quand je vais acheter des animaux, ce n'est pas les moins chers quand même. Mais j'essaie de faire attention au prix que je dépense dans la nourriture hebdomadaire pour tout le monde.
C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la nourriture normale. Pour l'alimentation, pour tout le monde. Voilà. Je suis très économe sur, la nourriture qu'on mange tous les jours. Le budget familial, si on peut dire. Sur le budget familial. Mais quand vous faites une crise perso, là, vous pétez les plombs. Mais quand je fais mes crises, je ne peux pas me contrôler. Oui. Vous comprenez ça, j'en prie. C'est-à-dire, j'aimerais poser une question. J'en prie. Ce que je comprends mal, pourquoi vous mangez, hein? Vous mangez pour vous remplir. Et ensuite, pourquoi vous vous faites vomir? C'est ça. Parce que je ne peux pas supporter d'être sale. J'ai l'impression de m'être sali. La nourriture est une saleté. La nourriture est une saleté, oui. Et pourtant, vous en ingurgitez des saletés. Hein. Je me salis. Vous vous salissez, vous vous nettoyez? Je me salis et je me nettoie. Et souvent, je prends une douche après avoir vomi. Ça n'a rien à voir avec la prise de poids, avec le... Il y a une angoisse de la prise de poids, ouais. Si, quand même. Mais pourquoi on peut avoir envie de se salir 4 fois par jour et de se nettoyer ensuite 4 fois par jour en vomissant? J'ai eu C'est toute une aventure. Des traumatismes sexuels dans ma jeunesse. Ah bon? Et ça vous a... Qui sont liés de 12 ans à 18 ans, j'ai eu des traumatismes sexuels et dont je ne veux pas parler plus. Mmh. Mais c'est ça qui a déclenché. Bon, je suis en psychothérapie depuis l'âge de 17 ans, depuis je suis malade. Et donc, il y a beaucoup de ça... Qui remonte. Qui remonte. Hein. Plus le fait que je ne voudrais être qu'une tête, hein, ne pas avoir de corps. Donc comme ça, je n'aurais pas à nourrir mon corps... Je voudrais être une tête. Et ma mère m'a dit que depuis toute petite, enfin depuis l'âge de 8-9 ans, je lui dis, je voudrais être une tête. Pour pas attirer les hommes, notamment. Pour pas attirer les hommes. Vous en pensez quoi? Oui, bah, je pense qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce que vous dites, là, madame. Mais vous avez quand même une vie équilibrée, malgré tout. Vous avez pu rencontrer un mari, faire des enfants. Donc, vous avez supporté la grossesse, une deuxième grossesse ou 3 enfants, vous savez? Deux enfants, oui. Non, je n'ai pas du tout supporté les grossesses. Vous n'avez pas supporté les grossesses? Non, j'ai perdu 5 enfants. Elles sont arrivées à terme. Ouais. Oui, mais bon, les enfants ont de la chance d'arriver à terme. Parce que j'ai perdu 5 kilos pendant la première grossesse et 10 kilos pendant la deuxième grossesse. Pendant. Pendant, parce entre que je mangeais, premier, je vomissais. Entre le premier et le deuxième mois, vous avez perdu du poids? Oui. J'ai perdu 25 kilos en tout avec mes deux grossesses. Ils sont arrivés à quel poids, les enfants, sur Terre? À poids normal. Monsieur, votre mari était avec vous. Vous avez un micro? Je ne sais pas, à portée de main. Il y a des moments où vous êtes là avec elle, où votre femme a des crises, elle le disait elle-même, sans compter, il y a les soirs, il y a le week-end. Le soir et le week-end. Le week-end, oui, vous êtes ensemble. Ouais. Quand elle a des crises comme ça, qu'est-ce que vous faites, vous? Je ne m'en aperçois pas forcément tout de suite, déjà. Elisabeth, c'est peut-être, je crois, Gwenaëlle qui disait qu'elles étaient très rusées pour un... Ah oui. Leur art, entre guillemets. Oui. Elisabeth, c'est exactement pareil. Oui. Donc, je ne m'en aperçois pas forcément tout de suite. Elle essaye de faire ça très discrètement, mais il suffit, par exemple, avec l'habitude, on a des petits repères. Par exemple, je lui parle et je l'entends déglutir pour qu'elle ne me réponde pas la bouche pleine. Ou alors elle me répond la bouche pleine. Qu'est-ce que vous lui dites à ce moment-là? Est-ce que vous dites quelque chose que vous relevez? Est-ce que vous essayez de voir dans quel état psychologique elle est? Si vous pouvez lui parler, si elle peut vous entendre? Je crois que selon l'importance des crises, quoi que je dise, de toute façon, je ne peux, au moment où la crise est commencée, où elle est au plein dedans, moi je ne peux plus rien faire, sinon ce serait... J'ai jamais essayé vraiment d'arrêter, mais je crois qu'elle pourrait devenir vraiment hystérique, enfin hystérique, je me comprends, mais... Avoir des crises... Violentes. Et ça vous fait quoi de l'avoir, dans ces crises? C'est de la peine, de la colère, ou c'est de la résignation? J'ai l'impression d'un immense gâchis, 20 ans d'un gâchis effroyable. Et comment vous en parlez tous les deux ensemble, Elisabeth? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette impression de gâchis? Vous aussi, vous avez l'impression de gâchis? Ah oui, moi aussi, j'ai l'impression que c'est un gâchis, oui. Gâchis et de temps. Ça, je me dis, j'ai de temps, d'argent, de vie, d'amour. Vous gâchez votre vie. J'ai de la chance d'avoir un mari en or. Je ne supporte pas que je dise ça, mais bon, je suis tout à fait consciente que beaucoup d'hommes m'auraient quittée. Ça fait 22 ans qu'on est ensemble. Je suis consciente qu'il a beaucoup de mérite, même si par moments, notre couple a failli péricliter. J'ai des enfants qui m'adorent, malgré tout ce que je leur fais voir. J'aurais tout pour être heureuse, et malgré tout, je n'y arrive pas.
Il y a quelque chose, il faudrait qu'un déclic se produise. Mais vous avez envie de vous en sortir, réellement? Mais oui, j'ai envie de m'en sortir. J'en ai fait des choses pour m'en sortir, notamment l'an dernier quand je suis restée 5 mois hospitalisée, ou moi où j'ai été gavée par sonde. C'est moi plus ou moins qui l'ai réclamé. Je voulais vraiment m'en sortir. Je pensais franchement en être sortie quand je suis sortie de l'hôpital. J'étais à peine sortie de l'hôpital que j'ai recommencé à faire de la boulimie. Mais vous êtes sortie, vous, parce que vous vouliez sortir ou c'est les médecins? Ah non. J'ai rempli mon contrat, ça marche par contrat. Je suis sortie au poids qu'ils m'ont demandé. J'ai fait mon mois de stabilisation, parce qu'il faut faire un mois de stabilisation une fois qu'on a atteint le poids désiré. On a le droit aux permissions que pendant le mois de stabilisation. J'ai tout respecté à la lettre. Je ne me suis jamais rebiffée, contrairement à d'autres patientes qui ne faisaient que passer, parce qu'elles ne supportaient pas les conditions anarchiques, draconiennes, je ne vais pas dire anarchiques, draconiennes de l'hospitalisation. Et malgré ça, eh ben, j'ai replongé et j'ai reperdu 10 kilos en un mois. Votre vie de couple, vous avez l'impression de vivre une vraie vie de couple ? Harmonieuse, heureuse, amoureuse et plein d'autres mots en heureuse. Depuis ma dernière hospitalisation là, de 5 mois, oui, parce que j'avais repris du poids et avec mon mari, on avait retrouvé un équilibre. Bon, malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, la reprise de poids, mais je ne suis quand même pas redescendue aussi bas que je l'étais. Donc, il y a quand même... moi, je suis beaucoup plus amoureuse de mon mari. On a quand même une vie de couple qu'on n'avait pas avant. Mais j'ai pas une vie harmonieuse, j'ai pas la vie harmonieuse, je ne rends pas la vie heureuse à mon mari comme j'aimerais la lui rendre. On a l'impression que personne ne peut rendre heureux Elisabeth, quoi. Enfin, que tout le monde fait de son mieux, enfin, surtout monsieur, j'imagine. Mais que c'est pourtant, impossible. Vous dites que vous faites une psychothérapie, vous avez dû découvrir des tas de choses qui pourraient être dénouées, qui pourraient vous faire comprendre l'origine de tant de souffrances. Oui, j'ai compris beaucoup de choses, mais ça n'a rien changé. Vous essayez de travailler là-dessus? Ouais. Oui. Elle n'arrête pas, hein, parce qu'en plus, parmi tous ces séjours en hôpitaux, vous disiez 56 au début de l'émission? 56 hospitalisations, il y a eu pas mal de tentatives de suicide aussi, ouais. Il y a eu pas mal de tentatives de suicide. Et puis du HP aussi, de l'hôpital psychiatrique? Hôpital psychiatrique, non. Je donne la parole à Jeanne, qui est venue avec son petit ami Grégory, qui est une ancienne anorexique, qui est devenue boulimique un peu. Oui. Vous êtes retrouvée dans ce qui a été dit jusqu'à présent? Je voudrais dire une chose à Elisabeth, c'est que je l'aime énormément, parce que je pense que ce qui est au cœur du problème dans l'anorexie et la boulimie, c'est l'absence d'amour de soi. Je pense qu'à un moment donné dans la petite enfance, et c'est flagrant chez Elisabeth, il y a une cassure, il y a une carence affective qui fait qu'il y a une immaturité psychique, il y a comme une construction de soi qui n'est pas finie et qui s'arrête. Et pour guérir, il faut une rééducation à partir de ce moment-là. Je pense qu'il faudrait considérer la personne malade comme un nouveau-né à qui il faut à nouveau tout apporter, y compris la nourriture. Mademoiselle qui se nourrit d'aliments sucrés, des aliments d'enfant, ou qui choisit sa nourriture par rapport aux couleurs de la journée, ça, ce sont des jeux d'enfant. Donc c'est quelque chose qui n'a pas été fait dans la petite enfance et qui fait que... arrivé à l'âge adulte, eh bien, il y a ce rapport avec la mère qui revient un petit peu par la boulimie, parce que c'est la maman qui donne à manger. Et on refuse, moi j'ai refusé la nourriture quand je suis tombée dans la période anorexie, par rejet de ma mère. Bon, je suis tout à fait d'accord avec madame qui disait qu'il y a la mère et il y a la grand-mère aussi, il y a les deux chez moi aussi. C'est-à-dire que vers l'âge de 17 ans, bon, je suis devenue une femme, sans prétention, une belle jeune femme. Vous allez dire une très jolie femme. Très jolie femme. Comme vous êtes venue un peu déguisée aujourd'hui. Oui, je n'étais pas prise. Faites-nous rêver, je vous en prie. Et puis... Allez-y. Certainement très appétissante au regard des hommes, c'est-à-dire avec une poitrine et un beau fessier. Et puis j'ai lu dans le regard de ma mère que ça ne lui plaisait pas, peut-être parce qu'elle, elle n'a pas très bien vécu sa féminité, et ça j'en suis persuadée. Et je lisais dans son regard, je lisais de la haine. Elle ne m'aimait pas, elle m'aimait étant petite, mais arrivée à l'âge adulte, elle n'aimait pas la femme que j'étais devenue parce qu'elle n'avait pas été cette femme-là. Je plaisais à mon père, je plaisais à des petits amis, comme beaucoup d'adolescentes, vers 17 ans. Et puis, quand je sortais le soir et qu'elle me trouvait trop jolie, elle me disait carrément « je suis jalouse ».
Donc ça, ce sont des choses qui m'ont fait très mal. J'ai, après, vers l'âge de 17 ans, fait un premier régime qui était très, très diététique, vraiment très sain, de la viande grillée avec des légumes, très équilibré. Mais ma mère, mon père et ma sœur m'ont mis à part. Je ne pouvais pas manger avec eux parce que je ne voulais pas manger comme eux. Et puis, petit à petit, je suis tombée dans l'anorexie parce qu'il y a eu... Il y a eu donc cette blessure de l'enfance qui n'a pas été guérie. Il y a eu un deuil, le deuil de ma grand-mère. Il y a un surmenage dû à une activité physique trop intense parce qu'il fallait éliminer ce qu'on mangeait. Donc j'ai fait énormément de gym. Et puis j'ai réussi un petit peu à gérer tout ça par mon métier. Je suis éducatrice sportive. Et puis à nouveau, il fallait être la meilleure. Je voulais être la meilleure parce que je ne savais pas... Il y avait toujours cette parole de mon père qui disait « t'es une bonne à rien, t'es une crétine ». Donc ben, je ne savais pas où ça s'arrêtait, être bien, jusqu'où. Alors j'allais jusqu'au bout. Et puis stress, désir de perfection tout le temps. Vous avez quel âge maintenant aujourd'hui? J'ai 26 ans. Depuis combien de temps vous êtes ensemble tous les deux? Comment? Depuis combien de temps vous êtes? 5 ans. 5 ans. Vous pensez avoir un bébé, il me semble? Oui, tout à fait. Oui. Vous attendez quoi? Le bon moment? Est-ce qu'il y aura un bon moment pour le faire? C'est pas vraiment le bon moment qu'on attend, mais c'est une maladie. Oui. C'est une maladie. Donc, je pense que tout couple désirant avoir un enfant veut que ça se passe dans de bonnes conditions. Et nous concernant, je pense que la maladie est là. Et je ne pense pas que Jeanne, dans son état, puisse donner de bonnes choses à l'enfant durant sa grossesse pour l'instant. Vous pouvez l'aider? Pendant ces crises, après ces crises, en parler avec elle. Avant, on ne les voit pas arriver, les crises, j'imagine. On en discute, mais ça arrive très souvent. Ça se termine mal. On ne peut pas, parce que moi, je ferai n'importe quoi. Je prendrai la voiture, je me sauve dans un McDo parce que c'est ouvert très tard. Il faut que je le prépare à l'avance, parce que je le sais, malgré tout, j'ai toujours eu envie de m'en sortir. Il y a des moments après les crises, s'il restait encore quelque chose, je jetais les gâteaux. Maintenant, non, parce que je n'ai plus confiance en... J'ai pas en encore volonté. Confiance en ma force, donc je garde pour pas trop dépenser d'argent. Mais s'il m'en empêchait, je deviendrais folle. Oui, parce que son père, déjà une personne très stricte, elle a eu une éducation stricte. Donc c'est pour ça, si j'essaie d'aller au-dessus, ça se termine mal, parce qu'elle a déjà connu ça. Ça lui rappelle le blocage dont on parlait. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc ça sert à rien. Parce vous avez une vie amoureuse épanouissante, sinon vous avez l'air de beaucoup vous aimer tous les deux. Oui, tout à fait. On s'aime, c'est pour ça qu'on reste ensemble, et puis on veut en sortir surtout. Comme Elisabeth et son mari d'ailleurs. Oui, c'est exactement le même problème. Ouais. On retrouve. D'accord. Est-ce qu'une personne boulimique peut s'insérer dans la vie sociale, parce que vous n'avez plus de boulot aujourd'hui? Est-ce que c'est lié à la boulimie? Oui, tout à fait. Puisque moi, après ma période d'anorexie, je suis devenue boulimique justement parce que ma maman m'a donné des choses que je ne voulais pas manger. Et donc, j'ai trouvé que se faire vomir, c'était résister. Donc, on a entamé tous les deux une carrière dans la même boîte. Et puis, au bout de 2 mois, j'ai été virée parce que j'avais volé. J'avais volé dans le sac d'une dame des chéquiers pour pouvoir m'acheter de la nourriture parce que on dépense une fortune. Et puis... Elisabeth, vous avez été mise sous tutelle financière aussi, on ne l'a pas dit tout à l'heure. On a essayé de me faire mettre sous tutelle financière, mais c'était refusé par le médecin expert. Parce que vous dépensiez trop pour la bouffe aussi, hein, comme vous. Ouais. Oui, donc moi, j'ai été arrêtée, interrogée, etc. Donc j'ai subi une période de chômage, j'ai retrouvé un emploi. Et puis ça n'a pas été parce que j'étais trop fragile, du mal à me concentrer déjà, à tenir le choc sur ce point-là. Et puis j'avais un patron très exigeant qui me renvoyait l'image de mon père. Je ne savais pas quoi faire pour lui plaire, pour qu'il m'accepte tel que j'étais. Et donc une grande fragilité qui fait qu'avec l'équipe aussi, je ne m'entendais pas très, très bien. Oui, donc ça peut vraiment avoir des résonances sociales. Mais globalement, les boulimiques, comme ça ne se voit pas sur leur front qu'elles sont boulimiques, peuvent travailler. Elles font leur crise soit entre midi et deux, soit en rentrant du boulot dans la rue, dans l'anonymat et la solitude. Mais beaucoup dont on s'occupe arrivent à travailler. C'est une maladie féminine aussi comme l'anorexie, la boulimie, ou c'est moins que l'avant? Essentiellement féminine. Hein. Il y a 4 hommes pour 10 femmes. Hein. Ah oui, donc c'est essentiellement féminin. Mais moins que l'anorexie. Moins que l'anorexie, oui. Oui. Une réflexion, Christian, sur ce que vous entendez jusqu'à présent? Excusez-moi. Oui, pardon. Oui. Sur les boulimies, c'est pareil. C'est... Ben, les boulimies, c'est-à-dire pour moi, c'est autre chose. C'est-à-dire parce que ce dont je souffre
Bon, c'est la boulimie, oui, mais il y a autre chose derrière. Il y a des angoisses, je fais une névrose d'angoisse, je suis agoraphobe. Alors, je ne me retrouve pas tout à fait dans tous les témoignages, sinon auprès de madame. Je précise que vous avez tenu à vous asseoir dans ce coin du plateau, vous connaissez l'émission. Oui. Vous êtes dit, là, je me sentirais plus... quoi plus... C'est exact, parce qu'ici, je me sens plus à l'aise pour sortir si nécessaire. Partout où je vais, je cherche toujours un endroit où je peux sortir rapidement. Parce que de craindre l'angoisse, c'est l'angoisse qui me dévore, en fait. C'est l'angoisse qui prend le dessus de tout. Alors, la boulimie, c'est une partie de ce dont je souffre. Mais c'est, ça c'est fait une expression d'un de ce dont vous souffrez, quoi. Non. Une expression de ce... Voilà, une ça expression exprime votre souffrance. Parmi un ensemble. Ouais. Parce que je suis agoraphobe, je fais des névroses d'angoisse, donc ça fait un tout. Mais la présence de vos tartines dans votre sac vous suffit? Vous n'avez pas besoin d'en manger toutes les 5 minutes pour vous... Ça dépend. Vous en avez mangé depuis le début de l'émission? Par exemple, bon, j'y ai pas touché. Oui. Hein, et bon, ça va comme ça. Mais c'est sûr que si elle n'était pas là, ça irait beaucoup plus mal. Parfois, il m'est nécessaire de les prendre. De piocher. C'est irrégulier. Catherine est une ancienne boulimique. Hein? Ancienne, oui. Faites attention, vous protégez. Oui. Je fais attention à ce que je dis là. Oui. À quel âge vous avez eu votre première crise de boulimie? Oh, moi, ça... Le plus loin que je me rappelle, de toute façon, j'ai toujours dû avoir des problèmes avec la nourriture, ouais. Mais il me semble vers une quinzaine d'années. Bon, c'est vrai qu'un médecin, il avait trouvé que j'avais 5 kilos de trop, et puis bon, régime. Puis voilà, quoi. Hein, et puis, bon, après, je me suis mariée. Alors, c'était par moment, en fait. Hein. Puis un jour, ça a pris des proportions. Contre, j'ai toujours mais mangé. Mais à partir de quel âge ça a pris des proportions? Plutôt à l'âge adulte ou plutôt à l'âge adulte, oui. Hein. De toute façon, moi, j'ai toujours été rondouillarde, donc bon, personne ne se rend... Oui, toujours. Hein. Ouais. Et, mais à l'âge adulte, mais bien, j'ai 46 ans, il y a une dizaine d'années. Ça correspondait à un moment précis de votre vie? Pas forcément, non, parce que j'ai rien qui... Mais c'est vrai que si je suis fatiguée, il y a une chose, même à l'heure actuelle, la seule chose qui me vient à l'esprit, tiens, il faudrait que tu manges. Bon, alors il y a quelques années, je fonçais, je ne réfléchissais pas, je mangeais. Hein. Alors, j'ouvrais le frigidaire, je ne sortais même pas, je plongeais dans le frigidaire. Hein. Je ne prenais ni fourchette, rien du tout. À manger avec les mains. Oui, je ne faisais rien chauffer, même ce qui devait être mangé chaud. Hein. Je pouvais manger du cru, même, parce que je ne prenais pas le temps de faire chauffer les aliments. Donc je descendais. Bon, puis à un moment, c'est vrai que ça bloque. Là, ça bloque. Hein. Bon, alors à ce moment-là, on se dit, dis donc, c'est pas bien ce que tu as fait. En fait, on est coupable chaque fois qu'on descend, qu'on fait une descente dans le frigo. Vous êtes monté jusqu'à quel poids? Vous nous dites plus de 100 kilos. 140, ouais, ça commence à être un poids important. Ah bah oui. Votre famille vous a vu grossir? Vous aviez quel âge quand vous étiez à ce poids-là? Oh, il y a 4 ans. Il y a 4 ans, dans son corps un peu. Bah oui, tout le monde me voyait grossir, mais personne... Est-ce que tout le monde vous voyait manger? Non, parce que je n'ai jamais mangé devant les gens. À table, je mangeais très peu. Alors, c'est vrai qu'autour de moi, on disait, c'est curieux... Elle est grosse, mais elle doit avoir un problème. Enfin, un problème, mais... D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que j'ai fait de la boulimie, que je suis boulimique. Pensaient que j'avais des problèmes hormonaux, si vous voulez. Hein. Donc, des règlements des glandes. Ouais. Voilà. Hein. Ouais. Donc, mais je mangeais en cachette. Le frigo. Et quand les gens étaient là, alors vous aviez vos petits rituels aussi? Bien sûr, j'avais mes cachettes. Ouais. Hein. Je pouvais manger dans les toilettes. Enfin, bon. Mais c'est surtout quand j'étais seule, quand même, c'était plus facile pour moi. Quelquefois, je partais en course, voilà, je prenais des crises, et j'avais pas le temps de rentrer à la maison, alors il fallait que je monte 10 étages, alors je descendais à la cave plutôt. Il n'y avait qu'un étage à descendre, en fait. Et à la cave? Je pouvais manger. Donc on se rapproche un peu de l'émission qu'on a consacrée aux alcooliques, hein, que ce soit aux toilettes, que ce soit à la cave. Moi, je vais vous dire, j'aurais pu boire, j'aurais pu, je ne sais pas, enfin... Mais c'est pour tromper l'angoisse ou c'est pour tromper l'ennui? Oui, c'était associé à des névroses à côté... Mais d'angoisse ou de lassitude ou d'ennui? Non, d'angoisse. D'angoisse. Très, très angoissée. Un jour, j'ai décrété que mon mari a toujours fait beaucoup de route. Je ne m'inquiétais pas. Puis un jour, je me suis levée en me disant, tiens, ce soir, il ne reviendra pas, il va avoir un accident. Et mon quotidien, c'était ça. Et pour un petit peu, pendant que je mangeais, je pensais un petit peu moins. Ces choses qui vous envahissaient, quoi. Ah, complètement.
Vous avez trouvé la force de vous arrêter il y a quelque temps, de freiner en tout cas. Excusez-moi, je voudrais pas vous. Oui, un jour. Vous adoubez alors que vous le souhaitez pas. Un jour, je pense que j'ai été plus mal, peut-être que les autres jours. Bon. Je sais pas. Je me suis dit, tu peux plus continuer comme ça. C'est aujourd'hui, tu fais quelque chose ou tu passes par la fenêtre. C'était, je pense, le dernier jour. Hein. Et puis, je me suis dit, il faut que tu ailles. Alors, à Lyon, on a un hôpital qui s'occupe des anorexiques, des gros. Enfin, puis, je suis allée. Et puis, évidemment, on ne vous reçoit pas comme ça dans les hôpitaux. Il faut des rendez-vous. Alors, j'ai eu un rendez-vous. Alors, il m'a fallu un mois pour avoir un rendez-vous. Entre-temps, j'avais repris 10 kilos entre le moment du rendez-vous et... Et puis voilà, mais c'est vrai que, bon, alors je suis rentrée à l'hôpital, le boulimique, on le garde 5 jours à l'hôpital, puis après on le renvoie chez lui. Hein. Hein, je trouve que l'anorexique, on le garde à l'hôpital, on l'entoure. Moi, on m'a gardé 5 jours, et puis je suis rentrée chez moi. Vous n'avez pas nous faire boulimique contre anorexique quand même, là? Bah écoutez, moi, quand on m'a fait mes examens, bon, j'ai demandé un petit peu, et à la fin, la conclusion, le médecin m'a dit, vous souffrez d'obésité morbide. Moi, qu'est-ce que c'est que l'obésité morbide? Bah, ça mène à la mort, en fait. Et quand vous faites 140 kilos, qu'il n'y a plus rien qui marche, la nuit, j'étais appareillée pour dormir parce que je faisais des arrêts respiratoires. Des apnées? Bah, bien sûr, hein. Donc vous imaginez, à 10 kilos toutes les 3 semaines, je pense qu'il y a longtemps que je serais morte si je ne m'étais pas prise en main. Vous pesez combien maintenant? Je fais 65 kilos, là j'ai repris un ça petit peu. Ça fait moins 80, moins 80, 75 kilos ouais. Précisément, ouais. Ça veut dire que le corps en souffre dans ces cas-là, c'est pour ça que vous avez fait appel à la chirurgie esthétique aussi? Et bah, forcément, oui. Ouais. Combien d'opérations? 6. Tout. Je demande à Luc Méjean de nous rejoindre, qui est professeur de nutrition. Monsieur Méjean, s'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Bonjour, docteur. Directeur de recherche à l'INSERM, professeur de nutrition. Quelques réactions en vrac, je ne sais pas si vous avez... Oui, par respect pour les gens qui ont une anorexie et une boulimie réelle, qui est une maladie de type psychologique et psychiatrique, je crois qu'il ne faut pas me galvauder ces mots-là. D'accord. Et en particulier dans les spots qui sont passés... Reportages, là, même. Les reportages... Non, surtout les spots, là, qui sont passés ah, oui, d'accord, fixe. Oui. Il y a eu une fois ou l'autre, le mot anorexie et le mot boulimie qui ont été utilisés... On peut les remettre, s'il vous plaît. Oui. En particulier, il n'y a pas de montée de la boulimie en France, il y a une constatation de l'existence de la boulimie. Et à ce niveau-là, je discuterai presque le diagnostic fait pour madame. Je ne suis pas sûr que madame ait une boulimie vraie. Une boulimie morbide, même, avait dit le médecin. Hein. Non, une obésité morbide. C'est-à-dire qu'elle a un index masse corporelle qui était supérieur à 40, si je m'en comptais. Bon. Donc, à ce moment-là, elle avait une obésité dite morbide. Mais elle n'avait pas de boulimie réelle. Bah, c'est parce que je mangeais, hein, que je grossissais. Oui, c'est ce qu'on appelle une polyphagie. Hyperphagie, un grignotage. Bon, vous ne rentrez pas dans la nosographie définie par les Américains ou les Français de la boulimie. Hein, c'est-à-dire que les 80%... C'est l'hyperphagie, là, plutôt, c'est ça? Voilà, moi, j'appellerais ça l'hyperphagie. D'accord. 80% des boulimiques ont un poids normal parce qu'elles ont un tel stratège pour lutter contre une prise de poids qu'elles y arrivent. C'est le cas d'Elisabeth et c'est le cas de Jeanne qui est derrière nous. Exactement. Ouais. Et les 20% restantes sont dans un poids subnormal. Il n'est pas étonnant de voir les problèmes de stress et les problèmes alimentaires aller quelquefois de pair. Le seul problème, je vous ferai remarquer, c'est que l'on ne sait pas dans quel sens ça va. Car un certain nombre de gens qui subissent un stress violent se mettent à arrêter de manger, d'autres se mettent à, au contraire, manger de manière excessive. On sait maintenant que cela passe par des relais au niveau du cerveau qui sont les mêmes pour le stress et pour l'alimentation, mais on ne sait pas encore complètement... Pourquoi il y a ce parallélisme? Mais, si vous voulez, la recherche est en train de travailler là-dessus. Ces cas extrêmes, est-ce qu'ils ont toujours existé, ces cas extrêmes? Je parle de se nourrir que d'une famille d'aliments, par exemple, où on avait vu ce savant faire le malin en mangeant que des criquets dans telle ou telle émission. Oui. Est-ce que ça a toujours existé? Ou est-ce ça a toujours existé. Oui. Et je crois qu'on peut en trouver des... Si vous voulez, l'un des gros problèmes du comportement alimentaire, c'est qu'il est devenu, parce qu'on est dans la société dans laquelle on est, la maladie de notre civilisation. Tant que l'homme a été à la recherche de son alimentation, parce qu'il n'a pas eu la disponibilité alimentaire, les problèmes de comportement alimentaire ne se posaient pas. Parce qu'on mangeait ce qu'on trouvait. Maintenant qu'on a le XXe siècle est devenu un siècle où la disponibilité alimentaire a existé,
Et par conséquent, maintenant, les problèmes de comportement alimentaire sont devenus des problèmes tout à fait criants. Alors, je vous dis en ce qui concerne plus, les pays riches, évidemment. Hein. Hein, en ce qui concerne les pays riches ou développés, occidentaux. En particulier, en ce qui concerne les pays développés. Oui. Les pays économiquement développés. Le cordonnier est souvent le plus mal chaussé. Je me demandais, vous avez pas mal d'enfants. Comment ça se passe dans votre famille? Vous avez combien d'enfants? J'en ai eu 7, j'en ai 6 maintenant. Ouais. Bon, on a de tout. Hein. J'ai une femme qui est toute maigre. Ouais. Moi, je suis... En forme. En forme. Et on a des enfants gros et des enfants maigres. Et on essaie de gérer ça comme tout le monde. Ouais. D'accord, bah, je vous remercie. Héloïse, quelques mots d'Héloïse, qui à 4 ans a perdu sa sœur Charlotte. Là, je pense que ça vous intéressera parce que c'est aussi des comportements alimentaires qui sont extrêmes et qui peuvent avoir des conséquences extrêmes. Là, on est extrêmement sérieux puisque Charlotte est décédée à cause d'un dérèglement alimentaire. Donc, c'était une boulimie, Héloïse. Hein. Elle a commencé par de l'anorexie. Ah oui. Commencer un régime tout simplement parce qu'elle voulait perdre quelques kilos. Bon, elle était costaud, elle était très sportive, mais elle pouvait perdre 4 ou 5 kilos. Et en fait, après avoir perdu ces kilos-là, elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose d'anormal parce qu'elle n'était vraiment pas satisfaite d'elle. Donc elle en a parlé à ma mère et elles ont décidé de tout de suite réagir et d'entreprendre une psychothérapie. Quel âge avait-elle à l'époque? Elle avait 20 ans. Comment vous êtes rendu compte? Vous étiez donc plus jeune qu'elle. Mm-hmm. Vous êtes... Moi, j'avais 16 ans. Vous avez 16 ans, ouais, 4 ans de moins. Comment vous êtes rendu compte que votre sœur était malade? Je ne m'en suis vraiment pas rendu compte tout de suite parce que bon, c'est vrai qu'on parle de régime. Enfin, je pense que beaucoup de monde, tout le monde essaie des régimes n'importe quand. Et donc, sur le coup, je ne m'y intéressais pas. J'ai plus réalisé le problème quand elle est tombée dans la boulimie. Donc, c'était un peu plus tard? C'était un an après. Donc là, elle a fait appel à votre complicité, c'est ça? Voilà, en fait, elle a été donc anorexique, elle a eu sa psychothérapie qui n'a pas vraiment donné grand-chose, elle a continué à perdre du poids. Et petit à petit, elle est tombée dans la boulimie, et là, j'étais la seule à être au courant à la maison, enfin mes parents... Comment ça se passait? Ça se passait après chaque repas, c'était monter toutes les deux, et je devais surveiller à ce que les parents n'entendent rien, ne montent pas, ne surprennent rien. Donc j'étais totalement complice, soit je restais en bas avec les parents pour leur parler, pour... Monter la garde, enfin... Voilà. Ouais. Et j'ai été jusqu'à l'aider à apporter de la nourriture pour qu'elle ait sa quantité suffisante. Donc elle vous demandait de garder le secret, voilà. Au nom de la fraternité, même entre deux sœurs. Et comment vous viviez cette complicité dans laquelle votre sœur vous avait embarqué quand vous avez vu qu'elle le vivait mal, en tout cas? Mm-hmm. Bah, sur le coup, je comprenais pas vraiment son comportement. C'est vrai qu'on n'en entendait pas beaucoup parler au départ. Et j'ai vraiment pas vu le danger. Vraiment pas. Donc je faisais plus ça pour elle. Je la sentais toute seule, elle avait besoin d'aide et elle me demandait ça. Bon, elle voulait pas qu'on en parle autour de nous, bon, on n'en parlait pas et je l'aidais. Et puis au début de l'été 95, votre sœur est partie, elle a fait une fugue. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, après ça, toute l'année ça a continué, elle a été suivie, hospitalisée. Et l'été avant son décès, on est partis tous en famille. Donc c'était l'été un peu cauchemar, ça a été le pire parce que c'était les crises en cachette. Et elle a même fait une fugue pendant ses vacances pour nous épargner sa... Enfin, pour éviter de nous faire du mal, elle a été ce qu'à faire une fugue pour pouvoir vivre seule de son côté. Mais là, vos parents savaient qu'elle avait des comportements boulimiques et tout ça. Là, oui. Là, elle était suivie. On était au courant. Ma mère avait été au courant. Et d'ailleurs, moi, c'est à partir du moment où elle avait été hospitalisée que j'ai plus toléré du tout. Parce que pour moi, c'est bon, maintenant, elle avait été suivie et elle devait guérir. Vous toléreriez plus son état ou vous ne vouliez plus être sa complice? Ni l'un ni l'autre. Elle est donc décédée il y a 4 ans. Mm-hmm. Est-ce que vous avez eu le temps de vous préparer à sa mort? Est-ce qu'elle a dépéri ou est-ce que c'est arrivé d'un seul coup? Ça a été vraiment brutal. Bon, c'est vrai que la maladie a quand même duré 2 ans. Mais déjà, on ne pensait pas du tout que ça pouvait être une maladie mortelle. Et juste avant son décès, en fait, elle est rentrée avec mes parents de vacances. Moi, je suis restée 15 jours de plus. Et les 15 jours où elle est rentrée avec mes parents, ça a été 15 jours formidables. Enfin, elle a retrouvé le sourire. On ne comprend encore pas vraiment pourquoi. Mais ça allait, elle a renoué avec son copain. Enfin, vraiment, ça allait. Elle remangeait un petit peu. C'était 2 bonnes semaines. Donc, moi, je ne l'ai pas vue pendant ces semaines-là. Et le jour de mon arrivée de vacances, elle est venue avec maman me chercher à la gare. Et vraiment, souriante, tout allait très bien. Vraiment, on ne s'attendait pas du tout. Et elle était seulement très, très fatiguée. Ça, elle m'en parlait qu'à moi, parce que j'étais avec elle en haut, je défaisais mes valises. Elle me disait, je suis fatiguée. Enfin, tu leur dis pas, je ne veux pas qu'ils s'inquiètent. Mais sinon, je veux dire, la veille, elle a même été voir le médecin de famille avec maman qui l'a vue et qui a dit, bon, bah, c'est bien, elle remonte la pente, ça va. Et puis non, en fait. Et donc... puis en fait, pas du tout. Non, 2 heures après que je sois rentrée à la maison, elle a fait son arrêt cardiaque. Et d'un coup d'un seul. Mm-hmm. Ouais. Pour quelle raison ça a été dit ensuite?
Bah, elle avait déjà fait auparavant deux malaises où les causes, enfin, on a su que c'était par un manque de potassium. Mmh. Et donc, son troisième malaise, on s'est dit que ça doit être les mêmes causes parce qu'on n'a jamais eu les résultats de l'autopsie. On n'a jamais voulu nous les donner. Et donc, on en a conclu que c'était pour les mêmes raisons. Une baisse de potassium, quoi, brutale. Manque de potassium. Par quel processus, Héloïse, vous êtes devenue anorexique, vous, par la suite, que vous avez perdu votre sœur? Bah, en fait, moi, je suis devenue anorexique un an et demi après. En fait, l'année qui a suivi le décès, j'ai plutôt bien réagi. Enfin, je me suis dit qu'il fallait que je sois forte pour mes parents. Et un an et demi après, j'ai voulu moi aussi commencer un régime. Il y a eu en même temps une rupture sentimentale, mais je ne pense pas du tout que ce soit la cause. Et j'ai commencé un régime, mais là, dès le départ, moi, on m'a dit « il y a quelque chose qui ne doit pas aller, tu n'as pas besoin de perdre ». Mais moi, je me trouvais grosse. Tout de suite, je me suis trouvée grosse. Et j'en ai jamais parlé avec mes parents, jamais. On a toujours voulu étouffer l'affaire. Déjà, moi, je ne voulais pas leur faire revivre ça une deuxième fois. Et puis, on a eu du mal à comprendre une fois. Et je me suis dit, si ce n'est pas la deuxième fois, on allait réussir. Votre maman est derrière nous. C'est vous, Madame Segard, oui. Bonsoir. Comment vous avez vécu le fait qu'Héloïse devienne anorexique? Au bout de combien de temps vous en êtes-vous rendu compte? C'était très dur. J'ai eu très peur. Bon, elle a commencé son régime. Elle m'a rassurée en disant « mais ne t'en fais pas, je ne deviendrai pas anorexique ». Et c'est vrai que comme elle n'a pas du tout le même tempérament que sa sœur, Héloïse, quand elle doit sortir quelque chose, quand elle n'est pas d'accord, elle le dit, tandis que Charlotte était une fille très, très réservée. Plus introvertie, voilà. Oui. Donc, j'espérais qu'une chose, c'est que ce ne soit pas de l'anorexie. Puis elle me rassurait. Ça n'a pas été aussi rapide et aussi fort que... Charlotte. Aussi visible aussi. Aussi hein. Visible, ouais. Oui. Et quand j'ai réalisé que c'était de l'anorexie, je me suis fait aider. Soutenir. J'ai fait une psychothérapie de soutien parce que je voulais qu'on m'aide sur ma façon de me conduire avec Héloïse, vu qu'avec Charlotte, c'était très très dur. Nos rapports, Charlotte et moi, étaient très bons. Charlotte me parlait beaucoup. Ce qui était dur, c'est que j'essayais de l'aider, j'essayais de la comprendre. Elle me disait « Maman, tu ne peux pas me comprendre, tu n'es pas à ma place ». Mais on est impuissant devant ce qui se passe. Je crois que vous souhaitiez vous adresser à nos invités de ce soir. Est-ce que vous avez des choses à leur dire? Je ne sais pas, peut-être quelques conseils ou des recommandations J'ai envie de leur dire que c'est une maladie qui peut tuer. Mais c'est l'expression d'une grande souffrance, d'un malaise. Charlotte me parlait de pulsions, d'angoisse. C'était surtout au moment de la boulimie, ça. Elle était honteuse de ce qu'elle avait. L'anorexie, non, elle n'en était pas honteuse. Au contraire, je pense qu'il y avait une petite fierté de réussir à perdre du poids. La société renvoie l'image de quelqu'un de fort. Celui qui arrive à perdre du poids, c'est fort, alors que celui qui prend du poids, c'est quelqu'un qui se laisse aller. En gros, c'est l'image que nous renvoie la société. Hein. Oui. Mais alors, elle n'avait pas de poids. Elle n'avait pas de poids, en plus. Comment? Boulimique vomisseuse, elle ne grossissait pas. Elle ne grossissait pas, non, au contraire, elle maigrissait encore. Et donc, au moment de sa boulimie, du début de sa boulimie, elle était donc honteuse de ce qu'elle était. Elle ne se reconnaissait plus, elle cherchait une identité, un dégoût, quoi, un dégoût d'elle-même. Et alors, même nous, parents, on n'osait pas en parler non plus. Parce qu'on avait peur que les gens ne comprennent pas. Finalement, on est seul dans ce combat. Charlotte était, je vais dire, seule. Et en plus, elle souffrait de nous faire souffrir. Parce que la vie familiale devient difficile. Hein, parce que, mon mari s'est montré toujours plutôt dur et intransigeant. Pour lui, c'était une question peut-être de volonté. Et ce n'est pas une question de volonté. Ce ne sont pas des caprices. C'est quelque chose de bien plus fort. Qu'est-ce que vous voulez dire aux invités, alors, exactement, madame? De ne pas rester seule, parce qu'il y a peut-être des anorexiques ou des boulimiques qui regardent l'émission et qui n'osent pas en parler, qui sont peut-être seuls dans leur coin. Il faut qu'ils se fassent aider, hein, et aider par une psychothérapie, un suivi médical. Moi, ce que je reprocherais un petit peu, vous voyez, à la sortie d'hospitalisation de Charlotte, là, ces vacances qui ont été un cauchemar, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de suivi médical. Charlotte, si on lui avait demandé de faire une prise de sang, une fois par semaine, pour vérifier, contrôler ce pot. Elle l'aurait fait, oui. Et nous, on n'est pas au courant de ça, vraiment. Bon, je savais qu'elle manquait de potassium lors de ses hospitalisations, qu'elle était soignée pour ça. Mais une fois qu'elles sont sorties, on fait confiance. À la médecine. À la médecine. Je comprends. Hein?
Oui. Merci, madame. Oui, j'en prie, Isabelle. Non, pardon, je voulais demander. Parce que quand on dit anorexie, c'est. Bon, ce qu'on voit, c'est. La personne ne mange pas et ça se voit. Mais c'est le refus de, finalement, de tous les désirs, de tous les plaisirs. Moi, je me souviens quand j'étais anorexique, je m'interdisais de lire un livre. Je m'interdisais de voir des amis. J'avais plein de copains. Ils voulaient me voir, ils s'inquiétaient, mais moi, je ne voulais pas les voir. Voilà, c'est tout. Enfin, je crois que c'est plein de. Ce sont des refus, on s'enferme, effectivement. J'avais. Je pense que j'avais un peu honte parce que. Enfin, c'est vrai que perdre du poids, ça me donnait un sentiment de puissance énorme. Au fond, j'étais fière, je pense, très très fière de ce que j'avais fait. Mais à la fin, quand je pesais 24 kilos, j'avais extrêmement honte parce que. C'est à quel moment ça bascule, quoi. Ouais. Mais en plus, à la fin, le fait de plus pouvoir manger avec des gens, de plus pouvoir voir d'amis, parce que justement, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va manger et tout ça. Qu'est-ce qu'on va dire. On se fait un mur et on devient seul et isolé. C'est une obsession, en fait. Ouais. On voit pas le jour. Christian, vous avez l'impression de vivre dans une boîte, parfois. Dans une boîte, non. Dans une prison, oui. Une prison. Ben oui, c'est quoi votre prison? Une prison dorée. Ouais. Une prison dorée parce que je suis chez moi, mais une prison. Et justement, depuis si longtemps, c'est trop dur. J'ai maintenant 57 ans. Ça dure depuis l'âge de à peu près, je sais pas, ça a commencé à 12 ans, mais enfin, il y a eu des hauts, des bas. Disons que je suis en invalidité depuis 40 ans. J'en ai trop souffert. Là, j'ai un ras-le-bol. On est venu à votre émission parce que vraiment, c'est l'occasion jamais de dire bon sang, ça existe, j'existe, j'aime la vie. Ça ne m'empêche pas pour autant d'aimer rigoler, d'aimer écouter la musique, d'aimer des tas de choses. Hein. Mais ça me paralyse. Et donc, tout ça, c'est dur, c'est dur à porter. Et oui, j'ai envie de le hurler, oui, ben, bon sang, j'existe. Et bon, ben, c'est tout, acceptez-moi comme je suis, puis c'est tout. Vous occupez de votre santé, vous êtes suivi? Oui, parce que bon, ben, c'est sûr que le fait de manger beaucoup bon, ben, commence à poser des problèmes sur le plan diabète, sur le plan cholestérol. Donc une médication, j'imagine. Comment? Une médication. Oui, bien sûr. Et aussi le plan financier. Là, je comprends très bien, madame, parce que, vous savez, on est obligé avec le budget de tirer au maximum. Le menu est assez réduit, quoi. Mais alors, pardon. Oui, je vous en prie. Je voulais lancer qu'on regarde ensemble le reportage qu'on a été tourné avec vous. Vous habitez tous les deux dans le nord de la France. Oui. Donc les journées de Christian se passent principalement autour d'une table, j'exagère un petit peu, mais en tout cas oui, 4-5 heures par jour. Quoi. Mmh. Donc Jean-Marc Borde et Martin Blanchard sont venus vous rendre visite. Oui. Et là on regarde le reportage de Jean-Marc et Martin. Ma drogue, c'est la nourriture, c'est les tartines le matin. Midi, c'est les pommes de terre. Le soir, c'est encore les pommes de terre. Contrairement aux apparences, Christian a terminé son petit déjeuner. Il a avalé avec son café l'intégralité d'un pain complet. Les tartines qu'il beurre maintenant sont ses encas pour la journée. Je viens de déjeuner, là. Et après, j'ai plus rien. Donc, il faut qu'à tout moment, je puisse avoir des tartines sous la main, quoi. Excusez-moi, je vais encore chercher deux tartines parce qu'il n'y en aura pas assez. Vas-y. Mado partage la vie de Christian depuis 3 ans. Grâce à elle, il se sent moins seul car sa boulimie provient d'une agoraphobie chronique. Il est incapable de sortir de chez lui avant le repas de midi et sort très peu de toute façon car les lieux inconnus et les grands espaces lui font peur. Même le ping-pong qu'il a essayé de pratiquer à une époque ne lui convenait pas. Les grands espaces, ça ne veut pas dire un aérodrome, hein. 2 mètres, ça suffit. Alors j'ai essayé d'expliquer que le fait de m'éloigner de la table de ping-pong me paniquait, quoi. Je vais vous montrer cette table. Mais imaginons que c'est une table de ping-pong. Hein. Bon, j'ai ma raquette. Il y a un vide, donc, entre la table et moi. Il y a un vide d'un mètre cinquante, 2 mètres. Quand c'est des smatchs, bon, je ne dis pas, il y a 3 mètres, là, 3-4 mètres. Et c'est ce vide-là qui vous terrorise. Ça me terrorise, oui. Moins de 3 heures après la fin du petit déjeuner, Christian prépare son repas de midi, qui commence toujours par une bonne soupe. Non ? Je vais en prendre, je n'en ai pas mis assez, là. Ah bon ? Bah rajoute ça. Bah non, avec la froide, ça va pas aller.
Tu vas changer alors maintenant? Oui. Moi, hein. Oh, je mange plus vite, hein, parce que Christian, maintenant, il en a pour 1h30 à table. En plus, il est très lent, c'est ce qui me stresse le plus. Parce que le matin, il faut compter... Moi, quand je suis arrivée, c'était 2h le petit déjeuner, 2h le repas du midi, 2h le repas du soir. J'en pouvais plus. La casserole de soupe avalée, il est temps de passer à la suite. La Christian, vous faites à manger oui. Pour toute la famille, alors, si je comprends bien. Je voudrais bien, oui. Non, il n'y a que pour moi, là. Les trois steaks, c'est pour moi. Les trois steaks hachés, oui. Trois steaks hachés pour moi, et encore. J'ai baissé parce qu'il m'est arrivé d'en manger 5. Ce sont des steaks de 100 grammes environ. Un peu plus, même. Et là, oui, c'est pour moi. Là, vous en êtes où de votre repas, Christian? Mais là, je suis aux deux tiers, presque. J'ai mangé le deuxième sac haché, enfin, je finis le deuxième sac haché. Et il y a le troisième qui m'attend là-bas, que je vais cuire après. Je dis merde. J'espère que ça va encore. J'espère que ça va. C'est un grand jour pour Mado. Elle va passer son permis de conduire, qu'elle a déjà raté 2 fois. Qu'est-ce que vous faites, là, Christian? Ben là, je prends des casse-croûtes parce qu'on va essayer d'aller en voiture. Et je prends ça parce que ça me tire pas, c'est ma sécurité. Christian, lui, sait conduire, mais son agoraphobie lui interdit de trop s'éloigner du village. Avec lui, nous avons tout de même voulu tenter l'expérience. Faire demi-tour parce que c'est trop dur. On est à combien de votre maison là? On doit être environ à 2 km je crois. Et vous ne pouvez pas aller au-delà? Au moins j'essaie de... Attendez une minute. J'essaie de passer par là parce que la maison est là-bas. Ouais. À ma droite, vous savez. Donc je fais un cercle à peu près. Pour retourner chez moi. Elle est déterminée, là. Ouais. Ça a duré quoi? Je sais pas, une dizaine de minutes, un truc comme ça. Christian n'a mangé aucune de ses tartines, mais leur simple présence a permis de le rassurer. S'il les abandonne maintenant, c'est pour faire les 500 mètres qui le séparent de l'épicerie du village. Pour aller, il faut que je choisisse l'endroit où je marche. Comme ici, le long d'un mur, ça va. Alors là, ce que j'ai comme repère, sont d'abord les pots de fleurs ici, et ensuite les voitures qui sont stationnées, qui vont m'aider à traverser la place. C'est un peu comme si vous aviez le vertige en terrain plat. C'est ça, oui. La comparaison est bonne, oui. C'est tout à fait ça. Alors là, ces deux voitures, ça me rassure. Et là, je regarde déjà les pots de fleurs là-bas devant moi. Là, vous prenez un caddie pour aller acheter une tranche de jambon, alors. Même oui. Parce que ça me rassure. Vous voyez, sur le caddie, bon, ouais, je peux m'appuyer. Ouais. Et je n'ai pas la sensation du vide est beaucoup moins grande. J'ai pas l'impression de vide là. Je m'appuie dessus, ça va pas. Bon, je le fais pas à chaque fois, mais non, c'est trop dur. Merci. Et... Non, deux. Oh là, c'est magnifique. Hein. Oh là. Ça s'est bien coupé. Bah la preuve. Les nouvelles sont bonnes alors. Ah superbe. Ah, ouais. Ah, superbe. Elle vient d'avoir son permis, c'est superbe. Comme elle a son permis, au cas où ça va pas, pourra prendre éventuellement le volant. Comme ce midi, les pommes de terre à l'eau sont au menu du soir de Christian. C'est le meilleur rapport quantité-prix.
Ville du Maroc, en trois lettres. Fez. Comment? Fez. F-E-Z. F-E-Z, t'es sûr? Vous ne mangez pas le soir? Moi, le soir? Ouais. J'ai terminé. J'ai terminé de manger. Et puis maintenant, bah, j'attends. Donc quand j'attends, bah, je fais des mots croisés. Et puis, bon, bah, quand je ne trouve pas certains mots, je demande à Christian. Donc on partage quand même quelque chose. Moi, j'ai toujours pris la nourriture de Christian comme une maîtresse. Pour moi, c'est une rivale. Alors là, Christian, si je comprends bien, vos tartines vous accompagnent même la nuit. Ah oui, 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 bien sûr, oui. Oui, parce que même la nuit, je ne serais pas tranquille si je ne les ai pas à côté de moi. Il m'arrive de me réveiller et d'en manger parfois, d'avoir des fringales. Pas toujours, hein, voilà, ça arrive, mais j'ai tellement peur que ça arrive, ça me rassure. Un reportage sur la vie de Christian et de Mado. Ça va, vous sentez bien? Ça va? Vous sentez comment? Vous vous sentez comment? Comment? Comment vous sentez-vous? C'est un peu dur. Qu'est-ce qui est dur? Bah, ça remue. Ça remue. Votre fille, on a dit que vous aviez des enfants. Oui, j'ai des enfants. Il y a trois enfants. Trois enfants, dont une fille qui est venue, Frédéric. Oui. Que vous n'avez pas l'occasion de voir souvent parce que vous n'habitez pas à côté les uns des autres. Où est-ce qu'elle est, Frédéric? Non. C'est vous? Bonsoir, Frédéric. Vous avez quel âge? 31 ans. Ouais, une grande fille déjà. Ça. Vous n'habitez plus chez votre papa, donc on a bien compris. Qu'est-ce que vous perceviez de sa maladie quand vous viviez ensemble à l'époque où vous étiez encore sous le même toit? Ben, disons que ça... Enfin, mes parents se sont séparés très tôt. Donc ouais. Déjà, on n'a pas grandi trop longtemps sous le même toit. Quand on était petits, mon frère, ma sœur et moi, je crois que... on vit avec depuis qu'on est petits, quoi. On ne s'en rendait pas vraiment compte. Quand on est enfant, on ne voit pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas, quoi. Ensuite, c'est à l'adolescence, je pense, qu'on a commencé à voir les symptômes de la maladie. Enfin, voir papa, par exemple, rester à table très longtemps, c'est quelque chose qu'on a du mal à supporter. Le sac en plastique de tartine, c'est quelque chose que tous les trois, on a énormément de mal à supporter parce qu'on ne comprend pas. Et d'un côté, on ne comprend pas, mais aussi on se sent impuissant face à tout ça. On sent que qu'une personne qu'on aime souffre et on ne sait pas comment l'aider, on ne sait pas quoi faire. Ouais. Alors on se dit, est-ce qu'il faut être brusque? Ou est-ce qu'il faut être très douce? Voilà. Au contraire. Est-ce que cette maladie, celle de votre papa, a eu des répercussions sur pour vous, votre frère, votre sœur? Indirectement, oui. Enfin, parce que quand on allait, par exemple, le week-end chez notre père... Parfois, on avait envie de prévoir des choses. On lui disait, par exemple, on va venir dimanche, on va faire ça. Et si on prévoyait, on ne pouvait pas accomplir ce qu'on avait choisi de faire. Quoi, parce que papa angoissait. Et puis, le fait de savoir à l'avance qu'on allait faire quelque chose, ça n'allait pas. Quoi. Ça vous angoissait de préparer quelque chose à l'avance, Christian? De savoir qu'à l'avance... Oui, bien sûr, parce que ça m'angoissait quand les enfants y venaient. Je savais que je ne pouvais pas les conduire où je voulais, promener comme je voulais. Tout ça, oui, bien sûr. Ne pas être à la hauteur de... Ne pas être un homme, quelque part. Oui. Ça fait, oui, pas leur donner ce qu'ils voulaient. Ne pas leur apporter, pouvoir leur apporter ce qu'un père doit leur apporter. Oui. Même par la suite, quand les enfants continuent leurs études, de ne pas pouvoir les suivre... je suis du Nord, ils étaient à Lille. Tout ça, tous des détails comme ça qui font mal, oui. Mado disait que depuis quelques temps, depuis un an notamment, vous vous sentez mieux, vous faites des progrès, quoi. Ah oui. Est-ce que vous le sentez, vous? Est-ce que vous êtes... C'est sûr. Moi, en plus, habitant assez loin, quoi, je vois les transformations, parce qu'il faut parler de transformations. Moi, je reçois régulièrement des photos, quoi. Le regard de papa est différent. Il est tourné vers l'avenir, alors qu'avant, il y avait... Enfin, je pense que ça s'est dû aussi aux médicaments. Il n'y avait pas grand-chose dans ses yeux, quoi. Moi, j'apprends régulièrement, je ne sais pas, qu'il part... avec la voiture, il part de plus en plus loin. Il fait du stop, des trucs qu'il ne faisait pas auparavant. Quoi. Puis maintenant, Mado va pouvoir le conduire, donc vous allez pouvoir aller encore plus loin. Ça c'est dans vos projets. Oui, c'est l'objectif. Et pour venir ici, ça a été difficile jusqu'ici? Énormément. Parce du nord jusqu'à Paris, il y a quand même quelques kilomètres. Ce matin. Il y a près de 300 kilomètres. Il y a près de 30 ans que je ne me suis pas éloigné de plus de 60 kilomètres de chez moi.
Alors, vous imaginez ce que ça peut représenter pour moi aujourd'hui, cette émission. Ah ben. Mais je tenais absolument d'abord à vous remercier. C'est nous qui remercions. Qu'elle existe et qu'elle est superbe, parce que je vous suis régulièrement. Et je ne pouvais pas lâcher cette opportunité. Cette opportunité de venir témoigner, et j'insiste là-dessus, de la souffrance qu'on peut avoir, si vous voulez, à des choses qui sont mal comprises et le jugement qui est trop vite porté. J'insiste là-dessus. Vous savez, ce n'est pas visible. Alors, à partir du moment où ce n'est pas visible, de deux choses d'une, ou quand on parle psychique, bon, ça fait peur, vous savez, ça laisse. Et alors, de là à parler de fainéantise, il n'y a qu'un mot. Vous savez, j'ai travaillé, j'ai été gérant de société, ensuite j'ai travaillé dans un autre ordre, quoi. Mais c'est dur à accepter. Merci d'être venu jusqu'à nous. On peut remercier Christian. Il dit non, merci lui, mais d'avoir fait cet effort. Je suis content que votre fille, enfin, ça me regarde moins que vous, évidemment, mais que votre fille dise que vous ayez le regard tourné vers l'avenir. Je souhaite de bons voyages à l'avenir également. Merci. Merci beaucoup. On va passer au dernier témoignage de l'émission, celui d'Olivier Le Coghen, qu'on a entendu au tout début. Rebonsoir. Vous avez, depuis l'âge de 16 ans, différents troubles alimentaires. Donc, on a parlé de l'anorexie, de la boulimie beaucoup ici. On va parler maintenant du méricisme. Le méricisme, c'est donc la capacité, je ne sais pas si c'est une capacité. Si, vous pouvez le dire. Parce que tout le monde ne peut pas le faire en plus. Hein. Ah ben non, il faut avoir des bons abdominaux et pour se faire régurgiter comme une vache. Donc ressortir la nourriture, voilà. Et puis la ruminer pendant. Ruminer, à défaut de noir, quoi, c'est des aliments. Hein, donc, mais je voulais dire aussi que c'était en plus, quand même, d'une boulimie qui durait également depuis 16 ans. Et d'anorexie avec une perte de poids très importante qui équivaut peut-être chez une femme à 24-25 kilos. Donc j'ai vécu ce qu'ont vécu comme Émilie Gounaël, ouais. À côté, et donc aussi ce que vit Christiane. Et je voulais juste souligner quelque chose, c'est que je demanderais quand même à Émilie, tout à l'heure j'ai trouvé un peu dur par rapport à ses enfants quand elle disait qu'elle était égoïste. Les enfants d'Elisabeth, oui. D'Elisabeth, pardon. Ouais, ouais. Comment quand elle disait qu'elle était égoïste par rapport au paquet de gâteaux, au prix du paquet de gâteaux. Parce que si jamais, à défaut de comprendre, ce qui est sans doute le cas, parce qu'en général, les anorexiques, surtout celles avec lesquelles j'étais hospitalisé, ça je l'ai tout de suite remarqué, ne comprennent pas les boulimiques. Pour elles, c'est comment quelque chose de répulsant. Mais c'est vrai parce qu'on a peur de devenir comme ça. Oui. Et puis, je finis juste... Par rapport à ça, c'est pour ça que je te demanderais juste d'être tolérante à défaut d'être de pouvoir comprendre. Comment vous avez découvert que vous aviez cette capacité à ruminer? La première fois que vous avez ruminé, c'était à quel âge? Je ne me rappelle pas la première fois, mais disons que... Les premières fois, quoi. C'est pas vraiment de l'esprit, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau, quoi, pour un anorexique. Mais la première fois, je ne sais pas. Je pense vers quel âge? C'était vers 16 ans, 17 ans. Ça procure un plaisir? Ça vous procure un plaisir? Oui. Parce que, écoutez, je ne sais pas, si vous mangez par exemple, je m'excuse, mais une tranche de saumon. Ouais. Moi, j'aime bien le saumon fumé. Ouais. Ça va être très furtif quand même chez vous. Moi, ça va durer quand même, je vais pouvoir remonter. Bon, à partir du moment où ça sera plus consistant, ça va être liquide, je passe à une autre bouchée. Les repas pouvaient durer 4 heures, et après, je me faisais vomir aussi en même temps. C'est tellement ridicule. Ça fait peur. Ça paraît, ça paraît drôle. Ça quoi. Fait rire ou ça fait ça peur? Ça fait rire, quoi. Oui. Et ça fait il peur. Vaut mieux en rire, je pense. Mais moi, je sais que je vis avec depuis 17 ans. Donc, même si je n'ai pas eu d'histoire sentimentale, je suis marié avec ce que je l'appelle Marie Sims. C'est une Irlandaise aussi. Vous l'avez donné un petit nom. Voilà. Oui, tant qu'à faire. Hein, c'est ma marie à moi. Mais on vit ensemble et puis on ne vit plus ensemble. Oui, parce que vous êtes fait poser cet appareil qui bloque les aliments. Enfin, je sais quoi, c'est le principe d'un entonnoir ou... Voilà, c'est un entonnoir artificiel qui remplace le cardia. D'accord. Et qui empêche les aliments de remonter. Donc. Voilà. Donc même si vous essayez, vous ne pouvez plus. Non, je ne peux plus. Ça vous manque je veux dire, le fait de l'avoir fait si longtemps et de ne plus le faire depuis quelques mois, c'est ça, depuis quelques... Trois mois. Ouais. Là, je suis en cure de désintoxication. Chaque repas est très dur. Et en même temps, c'est une victoire parce que je ne mangeais plus du tout. Je mangeais comme ça s'est retrouvé ici, quoi. Je mangeais tout seul, mais pour d'autres raisons. C'est-à-dire que quand le fait, je ne pouvais pas décemment me faire ruminer devant des invités, quand il y avait des gens qui venaient à la maison, ou même devant mes parents, c'était impossible. Et de toute manière, je préférais être tout seul dans mon coin. Ça vous avez caché beaucoup de choses à vos parents?
Pardon ? Vous avez caché beaucoup de choses à vos parents ? Énormément, au moins les 10 premières années. Ah, c'est long. Peut-être que ma mère, mais ça, elle seule pourrait le dire, elle s'en est rendue compte auparavant. Jacqueline, où est-ce que vous êtes, madame ? Où est-ce que c'est vous, madame la maman d'Olivier. Comment vous avez découvert qu'Olivier souffrait d'anorexie, de boulimie, puis de mérésisme par la suite ? J'ai pas été très vigilante, je dois bien reconnaître que je m'en suis pas perçue tout de suite. Ouais. C'est venu, lentement. Bon, j'ai vu dépérir quand même, j'ai vu maigrir, donc mon mari était peut-être un peu plus conscient, disons. Mais c'est, disons, quand ça a commencé, quand le maigrissement a commencé, ça a été quand même relativement rapide. Isabelle, qu'est-ce que vous pourriez dire à Olivier ? Et puis aussi, avant de demander à Isabelle Lacan de venir nous rejoindre ici, peut-être dire un mot un peu positif, parce qu'on a dit tellement de choses qui sont flippantes. Par exemple, de dire que 7 à 10% de ceux qui souffrent d'anorexie ou de boulimie ne vont pas y survivre. Est-ce que d'une autre manière, on a, je sais pas, des chiffres qui sont plus encourageants sur ceux qui s'en sortent, même si on n'est jamais tout à fait guéri, si j'ai bien compris? Oui, il y a quand même 50 à 60% d'anorexie qui s'en sortent. Hein, et depuis qu'on en parle, depuis que des centres sont ouverts pour ça, depuis que la psychothérapie s'ouvre aussi à une élaboration du symptôme, il me semble qu'il y a beaucoup d'efforts faits et les tabous tombent un peu. Et à force d'en parler, il y a, il me semble, beaucoup plus d'amélioration de cette maladie. Donc il faut garder un espoir. L'espoir est là. Et Olivier, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Olivier, précisément ? Bon, alors cette opération là que vous avez subie, maintenant, comment ça se passe quand vous voulez récurgiter ? Il y a une... Non, justement. C'est plus possible. C'est-à-dire que je l'ai faite, parce que de toute manière, il y aurait eu un cancer qui serait... C'était un festival, quoi, si vous voulez, à l'intérieur. Quoi. Le médecin, bon, le chirurgien était assez stupéfait quand il était obligé d'ouvrir. Mais de toute manière, pour moi, c'était de toute manière obligatoire. Ce n'est pas l'idée de mort ou quoi que ce soit qui m'inquiétait. C'est que je n'avais pas de vie. Depuis 17 ans, je n'ai pas de vie. Je suis uniquement... Vous avez quel âge, Olivier ? 32 ans. 32 ans, je suis... uniquement, quoi ? Pardon ? obsédé par la nourriture ? Voilà. Il y a des moments... je regrette d'avoir fait cette opération, parce que pour l'instant... Je n'ai pas encore trouvé, comment dire, le palliatif. Et encore, il y a eu des plus. Le fait quand même de pouvoir partager des repas quand même. Je sens que je peux faire des choses que je ne faisais pas avant, mais ce n'est pas encore ça. Quoi, vous n'avez pas trouvé de quoi compenser, quoi. Pas encore. Ça fait 3 mois sur 17 ans de souffrance. Il y a souffrance, quelque chose aussi qui revenait souvent, c'est l'histoire de combler un vide. Mais oui. En fait, c'est ça. Je n'ai pas trouvé. Oui. Le jour où je pense que j'aurais trouvé... En plus, ce que vous disiez par rapport au saumon fumé que vous adorez, il y a une notion de plaisir aussi qui s'associe. Ah, oui. Parce que non seulement ça descend et ça remonte, et il faut peut-être que le plaisir se déplace. Il faut peut-être trouver d'autres du plaisir, de plaisir et du plaisir partagé. Tout à fait, pas simplement avec vous et votre œsophage, finalement. Je trouve une autre marée, quoi. Oui, mais non, l'Irlandais est très bon comme saumon, mais ça revient cher. Non, mais je le faisais avec des aliments qui étaient adaptés pour, à savoir des blancs d'œufs durs, qui permettaient de ruminer longtemps. Donc, vous pouvez le faire avec des tripes. Et donc, C'était l'aspect technique, hein. L'aspect technique. Au niveau, si vous voulez, c'est l'ascenseur, ça permet de très bien remonter. Avec un pot de Nutella, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Ça reste bien collé. Et par contre, là où c'est beaucoup moins drôle, c'est l'aspect par contre anorexique qui ressort. C'est que comme il y a énormément de sucre rapide, comme dans du Nutella, ou comme le disait... C'est des marques, hein, tout ça, normalement. Oui, oh, pardon. Excusez-moi. C'est pas pour moi, mais je façonne comme moi, dans des pâtes chocolatées. Ou dans des sucres rapides, le fait de comment j'avais toujours extrêmement peur comment de ne pas pouvoir aller vomir. Que vous auriez assimilé trop vite. Voilà. Alors pour en être sûr, j'allais jusqu'à la bile. Donc bon, effectivement, il y a des séquelles au niveau dentaire. Il peut aussi y avoir des séquelles. Vous avez dit que les boulimiques qui avaient un poids normal, comme on n'avait pas, ne mettaient pas leur vie en danger, il peut aussi y avoir des séquelles au niveau hypokaliémie avec un... Bien sûr, une baisse de la charge de potassium. Ouais. À force de vomir, le potassium baisse. Ouais. D'accord. Et puis, il y a des tumeurs au niveau de... Vous voulez dire un mot, professeur, sur ce que vient de dire Olivier ? Le gros espoir que j'ai après des émissions comme ça, c'est que l'on se rende compte, quand on est atteint de ces maladies, qu'il faut rencontrer les autres et faire confiance aux autres. Et peut-être qu'en le répétant, on arrivera à faire en sorte qu'en particulier, il y ait une relation privilégiée avec le psychiatre et avec le monde médical en général. Et je crois que ça, c'est important. Faire passer l'idée que l'on ne s'en sort pas tout seul,
et que les autres peuvent aider, je crois que c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Isabelle Lacan, si vous voulez venir nous rejoindre pour la conclusion de l'émission, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. On se réchauffe un dernier coup. Alors, vous êtes intervenu un peu pendant l'émission. Pas beaucoup. C'est vrai que c'était terriblement dur. Et que c'est un petit peu normal si on reste sur sa faim, si j'ose dire. Parce que vous tous nous parlez et obligatoirement, vous ne pouvez pas avoir de recul. Sinon, ce serait tout simple. Je crois que ce sont ces... On n'a pas assez dit que c'était des maladies de l'âme. Donc, ma foi, c'est tellement complexe que... je ne sais pas, je pense que vous ne pouvez pas, expliquer les choses. Sinon, On a parlé de prise de conscience, de déclic, sans trop savoir d'où il venait, de la même manière que les jeunes filles ont du mal à identifier d'où venait leur anorexie. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent, enfin, qui ont des anorexiques ou des boulimiques dans leur famille et qui se sentent peut-être très, très impuissantes, même après l'émission. Et je suis très tellement troublée que je ne sais plus ce que je voulais dire. Je ne sais pas, on a... Par exemple, en ce qui concerne la... Si, regardez, moi, je suis une des nombreuses anorexiques. Je ne m'en suis pas trop mal tirée. Je pense qu'effectivement, comme a dit Johanna, on garde toujours des séquelles. Non, vous voyez, ça m'a vraiment troublée. J'ai pensé au début que je ne pourrais pas rester sur ce plateau. Parce que quand je vous ai vue, je parle du groupe des anorexiques, j'ai toute mon adolescence, mais revenue dans la figure. Je vous ai vue si fine, si maigre, je vous voyais de dos avec la petite sonde. Et je me suis dit, mais mon Dieu, c'est vrai qu'anorexique, on l'a dit tout à l'heure, on ne se voit pas. Il y a même des tests qui ont été faits auprès d'anorexiques. On leur a demandé, avec une sorte de réglette, d'essayer de mesurer comment elles se voyaient, si elles estimaient leur tour de taille à ça ou ça. Et elles se voyaient énormes. Et moi, effectivement, je me voyais énorme. Mais je crois qu'on n'a pas dit aussi, par rapport à l'anorexie, souvent, ce sont des petites filles un peu, disons, modèles. Disons qu'elles n'aiment pas faire de mal. Elles ont tellement peur qu'on ne les aime plus, qu'on ne les aime pas. Et donc, elles adorent se glisser dans un moule. Et le moule, c'est une maman et un papa qui va leur donner justement les indications. Et elles sont, en ce sens, elles sont petites filles modèles. Arrive l'adolescence et cette espèce de passage dur où il faut devenir adulte. Et on n'a qu'une envie, c'est de casser le moule. Mais bien souvent, peut-être je me trompe, mais en tant qu'ancienne anorexique, j'ai souvenir récemment, j'avais du mal à dire non, j'avais du mal à dire « Merde, laissez-moi, je voudrais respirer. » Et on culpabilise tellement à cette idée qu'on s'enferme. Mais finalement, le corps, c'est quoi? Personne ne peut vous interdire de vous punir ou d'affirmer votre identité en ne mangeant plus. En plus, il y a une sorte de révolte vis-à-vis de cette société bassement matérielle, où on ne parle que pognon, on ne parle que bouffe. Ouais, on est au-dessus. On est au-delà. Qu'est-ce que c'est ne pas manger ou même vomir ou, je ne sais pas, tu as parlé justement de la souillure, que tu as dit que tu te sentais sale, mais c'est vrai, quand on ne mange pas, l'anorexie, ce n'est pas un tube digestif, au contraire, on est lavé, on se sent plein de lumière à l'intérieur. Ce qu'il faudrait, c'est essayer de retrouver son âme et la lumière, là, finalement. Vous sentez guérie? Oui, je me sens guérie, mais il n'empêche que... on a un caractère, on est avec, et ça restera. Le tout, c'est de le tourner en atout. Mmh. Mais je pense aussi à l'entourage. On a pas assez parlé des problèmes conflictuels avec la famille et du fait que la famille, elle culpabilise et cette impuissance en question. Moi, je sais que pendant longtemps, j'en ai voulu à maman. Et bien sûr qu'elle a son caractère, elle est splendide, elle est un peu autoritaire, mais ça arrive à tout le monde. Et c'est facile quand on est malade ou même après de dire « Ah, mais c'est la faute de... » Et je voudrais dire aux parents qui se posent des questions et que peut-être on a culpabilisé ou qui ont culpabilisé, que voilà, moi j'ai radicalement changé le jour où j'ai eu un petit garçon et je me suis dit « Zut, qu'est-ce que c'est difficile d'élever un enfant, on donne tout, on donne son amour, mais parfois... » Bon, on peut donner trop ou donc mal, ou être un peu possessif, ou un peu... voilà, non, je trouve qu'il faut... Je trouve qu'au contraire, oui, comme vous avez dit, c'est une émission hyper positive. Moi, c'est ce que je disais au début, c'est le fait d'en parler, de se dire on n'est pas seul. Bon, eh bien, tant mieux. Merci à vous tous d'avoir été avec nous aussi tard. On va se retrouver mercredi prochain, je vais vous donner le programme.
Merci Isabelle Lacan, merci à tous nos invités. La semaine prochaine, on parlera de harcèlement. Ce sera une soirée continue, donc téléfilm plus débat, comme il y a une quinzaine de jours. Ce sera sur le harcèlement, jusqu'où peut-on supporter la violence morale. Donc le film s'appelle Degré ou de force, fiction sur le harcèlement moral dans l'entreprise. Ça se pratique de plus en plus. Et les invités, ça discute, nous expliqueront dans quelles circonstances ils ont été eux aussi victimes ou acteurs aussi du harcèlement psychologique. Acteurs le plus souvent, ils regrettent, que ce soit au travail, à l'école, à l'armée, mais aussi parfois... en famille ou dans des relations de voisinage. Merci d'avoir été avec nous, bonne nuit, le dernier journal à suivre, et puis le cercle de Philippe Lefebvre. Au revoir.